Merci. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales. Nous poursuivons la discussion générale avec, pour le groupe écologiste, M. Jean-Claude Raux. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, lors de l'examen en première lecture de la proposition de notre collègue Isabelle Santiago, le groupe écologiste avait rappelé qu'il est de notre devoir à tous, ici présents, de protéger l'intérêt supérieur des enfants de cette nation. Cela doit être notre boussole à tous et toutes, toujours. Avant que notre Assemblée n'entame la nouvelle lecture de cette proposition de loi, il me semble donc essentiel de réaffirmer que la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant est une exigence constitutionnelle. L'esprit qui anime cette proposition est sans aucun doute celui d'une meilleure protection des enfants, et c'est la raison pour laquelle nous la soutenons. Cette Assemblée avait adopté à l'unanimité, en première lecture, une rédaction ambitieuse du texte qui prenait notamment en compte les violences volontaires commises sur l'autre parent pour véritablement protéger l'enfant, même lorsqu'il n'est pas la victime directe des violences intrafamiliales. Bien que le Sénat ait tenté de limiter la portée de ce texte, la commission des lois de l'Assemblée nationale a eu la clairvoyance de rétablir les dispositifs qui avaient été amoindris. Vous l'aurez compris, chers collègues, notre soutien à cette proposition de loi est entier et nous partageons pleinement son objectif. Ce texte n'est toutefois qu'un premier pas. Nous estimons que nous sommes en mesure et en devoir d'aller beaucoup plus loin dans la protection des enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales. Face aux violences ignobles, nous avions voté cette proposition de loi à l'unanimité en première lecture. J'espère que nous parviendrons au même résultat aujourd'hui. Nous le devons aux millions de victimes d'hier et d'aujourd'hui. Elles nous regardent et attendent de nous que nous soyons à la hauteur. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Pour le groupe GDR, Madame Soumia Bourouard. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues. C'est non sans une certaine satisfaction que je m'exprime devant vous aujourd'hui pour la seconde lecture de la proposition de loi de notre collègue Isabelle Santiago pour mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales. Après qu'elle ait été votée à l'unanimité ici même, je me félicite que cette proposition ait pu poursuivre son chemin parlementaire, tant le problème qu'elle traite, constitue aujourd'hui un enjeu de société majeur. 400 000 enfants vivent aujourd'hui dans un foyer où s'exercent des violences intrafamiliales. 160 000 enfants subissent chaque année des violences sexuelles. En 2019, ces violences ont augmenté de 14 %. En 2020, la hausse s'est poursuivie avec 10 %. Dans chacun de ces cas, il y a une violence physique ou psychique immédiate. Un enfant meurt tous les 5 jours des suites de maltraitance, mais aussi traumatique et des conséquences somatiques pour une vie entière. Les études et les statistiques sont glaçantes et sans équivoque. 60% des enfants témoins de violences souffrent de stress post-traumatique et 50% des victimes de viols durant leur enfance ont fait une tentative de suicide. Il y a donc nécessité à agir afin de protéger l'intérêt supérieur des enfants. C'est tout l'intérêt de cette proposition de loi qui vise à améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales dont sont victimes les enfants. À ce titre, 2 évolutions majeures sont inscrites et visent à pallier une anomalie juridique importante qui conduit à ce que les auteurs ou auteurs présumés restent investis de l'exercice de l'autorité parentale et n'en sont privés
qu'en de très rares occasions. La première vise notamment à protéger l'enfant dès le début des procédures judiciaires. Ainsi, lorsque les faits reprochés concernent un crime, l'exercice de l'autorité parentale ainsi que des droits de visite et d'hébergement seront suspendus, et ce, dès le stade des poursuites. La deuxième évolution majeure du texte, c'est le retrait obligatoire de l'autorité parentale en cas de condamnation pour des faits de crime contre l'autre parent, agression sexuelle incestueuse ou crime contre l'enfant, sauf décision contraire spécialement motivée par le juge. Concernant la première évolution, je me félicite que nous soyons revenus, lors de l'examen en commission, au texte qui avait été initialement adopté ici à l'Assemblée. En effet, celui-ci s'avérait plus ambitieux en prévoyant que la levée immédiate de l'exercice de l'autorité parentale s'appliquait lorsque le crime était commis sur l'enfant, mais aussi sur le conjoint, faisant de l'enfant une co-victime. Un conjoint violent ne peut être un bon père, et je me réjouis que cette analyse soit de plus en plus largement partagée. La vulnérabilité des enfants nous commande de prévoir une protection stricte sans concession. Dans ce cadre, je pense que le texte qui nous est soumis aujourd'hui porte une position équilibrée pour concilier d'une part la nécessaire protection des victimes de violences intrafamiliales et la protection des enfants, et d'autre part la présomption d'innocence et le droit au juge. Ce texte marque donc le début d'un changement dans notre manière d'appréhender les violences intrafamiliales et d'accompagner les victimes. Notre groupe s'en félicite et, dans la continuité de son action lors de la première lecture, nous voterons cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe LIOT, Madame Béatrice Descamps. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, en février dernier, lorsque nous avons voté à l'unanimité ce texte, nous avons tous voulu faire un pas de plus vers la protection des enfants victimes de violences intrafamiliales. C'est chose rare sous cette législature aussi, je tiens à le souligner. Ce texte aura permis à notre Assemblée de retrouver une certaine unité et de parler d'une même voix, parce qu'il est urgent d'agir. Et je voudrais vous remercier, Madame la rapporteure, pour votre travail. L'autorité parentale, les violences infligées à l'enfant dans le noyau familial, ce sont des questions sensibles qui impliquent une réponse à la hauteur des enjeux. Lorsque la CIVISE, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a initié ses travaux, il a voulu dire à chacun des 400 000 enfants victimes « je te crois ». Désormais, c'est notre rôle en tant que législateur de dire à chacun de ces enfants « je te protège ». C'est sans grande surprise que le groupe LIOT votera à nouveau pour cette proposition de loi, et ce, je tiens à le dire, avec la même détermination qu'en première lecture. La réalité est que ce texte s'attaque à des difficultés qui ne sont plus acceptables. Certaines failles, tant dans le code pénal que dans le code civil, pénalisaient les victimes ou les plaçaient dans une situation difficile. La priorité, en cas de violence familiale, qu'il s'agisse de violence conjugale ou de violence sexuelle contre l'enfant, est de soustraire les enfants à l'emprise du parent violent. À ce titre, cette proposition de loi, avec deux grandes avancées, met en place un vrai bouclier pour défendre ces enfants. D'abord, la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale. Suspendre l'exercice de cette autorité aux parents mis en examen ou condamnés pour crime contre le parent ou pour agression sexuelle incestueuse sur l'enfant est une nécessité. Ça peut paraître évident et pourtant, à l'heure actuelle, ce n'est toujours pas le cas.
Si ce texte entre en vigueur, plus aucun enfant ne devrait être laissé sous l'autorité d'un parent ayant commis de tels actes de violence. L'article 1er prévoit aussi un autre mode plus spécifique de suspension en cas de violence conjugale en présence de l'enfant. Notre groupe avait des inquiétudes sur ce dernier critère, mais nous avons entendu les précisions que vous nous avez apportées, Madame la rapporteure, en commission et encore ici tout à l'heure. Il est essentiel que ce critère soit apprécié avec souplesse par les juges pour prendre en compte la présence, même indirecte, de l'enfant, qui, sans être témoin oculaire des violences conjugales, pourrait en être affecté. Nous le rappelons encore une fois, les violences conjugales sont aussi des violences familiales qui touchent l'enfant. Je tiens d'ailleurs à saluer le choix de maintenir dans le titre de cette loi la notion d'enfant co-victime. J'en viens à l'autre grande avancée de ce texte, pousser les juridictions pénales à prononcer plus systématiquement le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice dès qu'un cas grave se présente face à elle. En cas d'inceste, il est nécessaire que le principe soit celui d'un retrait total de l'autorité parentale. Avec ce texte, seule une décision spécialement motivée du juge pourra en décider autrement. C'est une avancée très attendue. Un certain équilibre est maintenu. Le législateur guide le juge pénal vers une solution tout en lui laissant une marge d'appréciation des situations individuelles. Je relève également un ajout essentiel de notre commission dans le cas où le juge pénal venait de ne pas retenir le retrait total de l'autorité, il aurait tout de même l'obligation de se prononcer sur les autres aspects. Par exemple, prononcer un retrait partiel de l'autorité ou le retrait de son exercice. Le groupe Liotte, vous l'avez compris, souscrit pleinement à la logique de ce texte. La priorité doit toujours être la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant, sa sécurité physique, mais aussi, ne l'oublions pas, sa sécurité affective. C'est pour cette raison que notre groupe votera à nouveau pour et espère qu'il sera rapidement, définitivement adopté. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Madame la députée, pour le groupe Renaissance. Monsieur Éric Poulia. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, chaque année, près de 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Dans le même espace de temps, en 2021, 208 000 victimes de violences conjugales ont été recensées, dont 80 % ayant des enfants. Derrière ces chiffres, il y a la terrible réalité humaine vécue par ces centaines de milliers d'enfants victimes de l'inceste et des violences intrafamiliales. Ces enfants sont victimes de ce qu'ils subissent directement, de ce que leur infligent des membres de leur propre famille, mais aussi victimes de ce qu'ils voient, de la violence à laquelle leur environnement familial les confronte, grandissant auprès d'un parent, d'un frère ou d'une sœur maltraitée. Ces violences sur les enfants ont des conséquences ravageuses sur leur développement. Elles peuvent se manifester par un stress post-traumatique, par des troubles du développement du cerveau et du système nerveux ou par des addictions. Des traces lourdes à porter, à plus forte raison pour un enfant. Si l'article 371.1 du Code civil évoque la vocation naturelle et première des parents d'assurer la protection et l'éducation de leurs enfants, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une responsabilité qui leur est confiée et que l'autorité parentale accompagnant cette responsabilité doit s'exercer sans violence physique ou psychologique. Lorsqu'ils faillissent à cette responsabilité, non seulement en n'assurant plus la protection de l'enfant, mais pire, en étant à l'origine de sa mise en danger, le contrat est rompu. Et la sécurité physique et psychologique de l'enfant doit être assurée et passer avant tout. Qui voulons-nous vraiment protéger? La réponse est évidente, l'enfant. Mais la réalité semble parfois plus contrastée.
L'enfant innocent et victime de telles violences ne doit pas subir, en plus de ces maux, la latence de la société. Même si cela passe par la restriction de certains droits parentaux, il est nécessaire de le protéger de son agresseur et de toute violence supplémentaire, physique ou psychologique. Depuis 2017, le président de la République a fait de l'enfance une priorité de son mandat, dont le Grenelle des violences conjugales de 2019 est une des nombreuses illustrations. Notre majorité s'est engagée à renforcer le déploiement du bracelet anti-rapprochement et du téléphone grave danger, ainsi qu'à donner la possibilité au juge pénal d'aménager ou de suspendre l'autorité parentale du conjoint violent grâce à la loi du 28 décembre 2019. Nous avons agi pour permettre la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur aux parents violents par la loi du 30 juillet 2020. Et pour créer 4 nouvelles infractions pour protéger les mineurs des crimes et délits sexuels en 2021. Cette même année, faisant suite au témoignage marquant du MeToo inceste, le président de la République a souhaité la création d'une commission indépendante chargée d'enquêter sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. La Civise a vu le jour en mars 2021. En un an, elle a recueilli plus de 16 000 témoignages et a élaboré 20 propositions pour mieux prévenir, repérer, soigner et traiter judiciairement ces violences. Si des mesures importantes ont été mises en œuvre, le chemin à parcourir reste encore long et beaucoup de progrès sont attendus à raison. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture est attendue, car elle contribuera à combler ces lacunes actuelles de notre droit et participera à mieux garantir la protection de l'enfant. Le groupe Renaissance partage cette volonté et salue la convergence qui a pu être trouvée avec Madame la rapporteure Isabelle Santiago, ainsi qu'avec le gouvernement tout au long de l'examen de ce texte. Cette proposition s'ajoute aux engagements pris par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et au travail permanent et inlassable de la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Caubel. Ensemble, par l'engagement profond de Madame la rapporteure et du gouvernement, nous avons su trouver l'équilibre le plus à même de protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales. Cet équilibre a été rétabli en commission après les modifications intervenues au Sénat et 2 amendements identiques déposés en séance par Madame la rapporteure et notre groupe contribueront à le parfaire. Le groupe Renaissance votera pour cette proposition de loi ainsi amendé et espère que ce texte sera une nouvelle fois adopté à l'unanimité comme ce fut le cas en première lecture et ces derniers jours en commission des lois. Il sera un exemple de notre capacité à travailler ensemble, à converger pour protéger nos enfants de pareilles violences et leur assurer un avenir meilleur. Merci. Merci, Monsieur le député. Pour le groupe Rassemblement National, Madame Béatrice Rouleau. Madame le ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues, dans 8 jours exactement, nous célébrerons la Journée internationale des droits de l'enfant. Le 20 novembre marque en effet l'anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette convention, faut-il le rappeler, avait été précédée par 2 déclarations des droits de l'enfant de simple portée morale, dont la première en 1923. Voilà donc un siècle que l'on cherche à protéger de façon spécifique les droits de l'enfant. Et pourtant, le compte n'y est pas. Un enfant meurt en France tous les 5 jours des suites de maltraitance, si ce n'est pas bien davantage, comme en témoignent d'autres associations, et le docteur Bernard Werny, président de l'Ordre national des médecins, qui signalait la mort de 2 enfants par jour en France des suites de maltraitance. Parmi ces petites victimes, 160 000 auraient subi une agression sexuelle ou un viol incestueux chaque année, dont la majorité aurait été commis par un proche parent et notamment le leur, et dont 2 000 seulement auraient fait l'objet de condamnations. Il fallait donc agir.
La loi présentée par Isabelle Santiago vise précisément à mieux protéger l'enfant victime de violences intrafamiliales. On ne peut plus tolérer que des enfants risquent de mourir sous les coups de ceux qui en ont la garde. Nous avons eu encore un exemple récent avec une fillette battue à mort dont les parents étaient soupçonnés de violence. Voilà ce que disait le journal 20 minutes de l'heure le 26 septembre 2023. Elle allait fêter son 4e anniversaire dans quelques jours. Une enfant âgée de 3 ans a été retrouvée sans vie au domicile familial. Le corps de l'enfant présentait de nombreuses ecchymoses évoquant les coups reçus. Soupçonné de mauvais traitements, le couple inculpé a reconnu des violences récurrentes de l'enfant. Or, si l'exercice de l'autorité parentale avait été suspendu dès les premières violences, même de façon provisoire, l'enfant ne serait sans doute pas décédé. C'est en partie l'objet de cette loi qui apporte deux innovations. La première réside dans la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale dès lors qu'un parent est poursuivi pour crime ou inceste jusqu'à la décision du juge. Cette suspension est bien évidemment déjà prévue dans les codes civils actuels, mais elle reste, pour l'instant, la liberté du juge. Dans les cas de crimes perpétrés sur la mère ou d'agression sexuelle, le père poursuivi peut ne pas être dépossédé de son droit de visite et d'hébergement, ce qui reste incompréhensible pour le commun des mortels. Lorsqu'une enquête judiciaire est ouverte, disait Marine Le Pen dans son programme présidentiel, c'est bien parce que des soupçons graves de maltraitance ont été mis en évidence. Or, il arrive que le magistrat concerné ne prenne pas la décision de retirer l'enfant à ses parents durant cette période. Cela a deux conséquences potentielles. Un, que des sévices, s'ils existent, se poursuivent. Deux, que des pressions soient exercées sur la victime pour qu'elle revienne sur son témoignage. Marine Le Pen a fait de la protection des mineurs et de la condamnation des violences physiques une priorité. Elle indiquait déjà dans son programme qu'il fallait mettre à l'abri les enfants durant le temps des enquêtes. De son côté, Édouard Durand, juge des enfants, président de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles et intrafamiliales, indiquait qu'il y a trop d'aléas dans la décision que peut prendre un juge. Tout est dans la loi, certes, mais chacun prend sa décision en fonction des preuves qu'il peut avoir dans le dossier, de sa propre perception. Or, pendant le temps de la poursuite au moins, l'enfant doit être protégé à tous les coups, à chaque fois, et pas seulement si la certitude de la culpabilité existe. En deuxième lieu, cette proposition de loi vise au retrait total ou partiel automatique, sauf décision spécialement motivée, en cas de crime commis sur la personne du conjoint ou de l'enfant, ou en cas d'agression sexuelle sur l'enfant. Alors, sans doute aurait-il fallu aller encore plus loin en élargissant le champ d'application du texte aux délits graves tels que cela était prévu dans sa rédaction initiale. Il est, de mon point de vue, contraire à l'intérêt de l'enfant de cantonner cette proposition de loi aux seules infractions de crime et d'inceste, puisque cela a été dit plus haut, un enfant peut mourir de violences répétées. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un amendement en ce sens qui vise à suspendre l'exercice de l'autorité parentale également en cas de poursuite pour violence entraînant une incapacité totale de plus de 8 jours sur la personne de l'enfant. Mais il n'en demeure pas moins que cette proposition de loi reste une réelle avancée pour la protection des enfants que je vous invite à voter. Il est essentiel et actuellement plus que jamais de nous réunir sur des sujets transpartisans. Et pour paraphrer la situation de Gandhi, je terminerai en disant que le degré de civilisation d'un pays se juge à la façon dont il traite ses enfants. Merci, Madame la députée. Pour le groupe LFI, Madame Pascale Martin. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. Pour le juge, je suis une mère aliénante, folle, voulant écarter leur père. J'ai fait tout ce que je pouvais pour protéger mes enfants, mais rien de plus que ce que n'aurait fait n'importe quel parent. Ces mots, ce sont ceux d'Anna Dam Stockholm. Ses trois enfants ne l'ont pas vue depuis 3 ans. Ils vivent avec leur père quelque part en Polynésie. Pourtant, leur père fait l'objet d'une dizaine de signalements pour violences, y compris sexuelles.
Les signalements des professeurs et des professionnels de l'ASE convergent avec les constats des psychologues qui ont estimé que les enfants étaient en danger auprès de lui. Il a pourtant été autorisé à passer les vacances scolaires avec ses enfants durant l'été 2020. Anna, déjà en vacances avec eux à ce moment-là, a tardé à les lui remettre. Pour cela, elle a été condamnée pour soustraction d'enfants à 1 an de prison. Je le dis devant vous, j'aurais fait comme elle. Et je sais que beaucoup d'entre vous auraient fait comme elle. Car notre premier devoir de parent est de protéger nos enfants. Actuellement, l'état du droit comme le fonctionnement des institutions ne permettent pas de protéger efficacement les enfants victimes de violences intrafamiliales. Le cas d'Anna d'Amstockholm est loin d'être isolé. Trop de parents violents conservent l'autorité parentale ainsi que leurs droits de visite et d'hébergement. Beaucoup de ces enfants sont alors condamnés à vivre des années de violences destructrices. Le nombre d'enfants concernés est vertigineux. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France. 400 000 sont victimes ou co-victimes de violences intrafamiliales, tous types confondus. Parmi eux, la majorité ne sont pas protégés, y compris lorsque les violences sont connues des institutions. Le texte que nous examinons aujourd'hui a pour objectif de remédier en partie à ces carences en permettant d'agir vite lorsqu'un enfant est en danger. En agissant sur la suspension et le retrait de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement, il s'agit de pouvoir limiter ou rompre les relations entre l'enfant et son parent violent afin de mettre l'enfant en sécurité. C'est une évolution essentielle du droit et je remercie l'autrice de ce texte, Madame Isabelle Santiago, pour son travail. Je me félicite que nos députés de la Commission des lois aient rétabli l'esprit du texte de départ qui avait été vidé de sa substance lors de son passage au Sénat. Ce texte et les combats qui l'accompagnent témoignent d'une prise de conscience croissante concernant l'ampleur et la gravité des violences faites aux enfants. Cette prise de conscience n'est pas sans lien avec la CIVIS qui a réalisé un travail essentiel depuis bientôt 3 ans et qui doit pouvoir poursuivre ses missions. Depuis des années, la CIVIS ainsi que de nombreux acteurs de la protection de l'enfance appellent de leur vœu un changement de paradigme dans la façon dont les institutions considèrent et prennent en charge les violences intrafamiliales. Nous sommes actuellement dans un régime de présomption de culpabilité pour la personne qui dénonce des violences commises sur un enfant. C'est incroyable. La mère est encore trop fréquemment accusée de mentir et de manipuler son enfant pour nuire à son ex-compagnon. Quant à la parole de l'enfant elle-même, elle est jugée peu crédible. Nous devons passer à un régime de présomption de crédibilité de la parole de l'enfant, tout simplement car c'est une condition nécessaire pour que toutes les victimes puissent être protégées dès les premiers stades de l'enquête. Ce qui prime, c'est la protection. On parle ici de violences qui laissent des traces indélébiles. On ne peut pas se contenter de laisser l'enfant avec le parent accusé de violence et espérer que tout ira bien. On le répète depuis des années, un parent auteur de violences, y compris conjugales, n'est pas un bon parent. Cette proposition de loi, telle qu'elle nous parvient aujourd'hui, n'est pas parfaite. Elle pourrait être plus protectrice, mais elle constitue déjà un grand pas en avant et mon groupe votera évidemment pour ce texte. Mais je tiens à rappeler que ces modifications législatives devront s'accompagner d'un plan global de lutte contre les violences faites aux enfants. Quand je parle de plan global, j'ai en tête quelque chose d'un peu plus ambitieux que ce qu'a mis en place la secrétaire d'État à l'enfance. Elle a lancé dernièrement une campagne d'information sur les violences sexuelles faites aux enfants. C'est très bien. Mais quand des enfants ou des adultes verront cette campagne et décideront de signaler des faits de violence, que se passera-t-il? Quels moyens pour la police, la justice, l'ASE, l'éducation nationale pour traiter correctement ces situations? Protéger les enfants et les prendre en charge. Seule une hausse des moyens à la hauteur des besoins permettra la protection réelle des enfants. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe Les Républicains, Monsieur Dino Cinieri. Merci pour le petit mot. Je vais prendre un peu d'eau parce que... Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le retrait de l'autorité parentale est dans notre culture encore difficile à envisager. Pourtant,
Cette option est devenue nécessaire et même indispensable dans l'éventail des moyens de protection de l'enfant victime de sa famille. En effet, le rapport Sauvé, publié en octobre 2021, estime que près de 15% des femmes et plus de 6% des hommes majeurs auraient été sexuellement agressés lorsqu'ils étaient mineurs, soit environ 10% de la population globale. C'est dire l'ampleur du phénomène et l'importance de l'enjeu dont le législateur est aujourd'hui saisi. Concrètement, le retrait de l'autorité parentale prive l'un des parents de l'ensemble de ses attributions, y compris les plus symboliques, comme par exemple le droit de consentir au mariage de son enfant. Ce retrait revient également à confier exclusivement à l'autre parent le soin de veiller sur l'enfant et de prendre les décisions nécessaires pour sa santé, son éducation, etc. Depuis des décennies, les philosophies des acteurs de la protection de l'enfant s'opposent sur ce sujet. Le législateur doit aujourd'hui trancher. Il est indispensable de sanctionner le parent coupable de violences extrêmement graves sur l'enfant et de protéger cet être vulnérable physiquement en l'éloignant juridiquement de l'autorité dont il dépend et qui le détruit. À ce titre, Madame la rapporteure, je veux saluer votre travail et votre engagement constant sur ce texte. Vous êtes déterminée et vous avez raison de l'être. Aujourd'hui, avec votre travail, nous allons faire avancer cette cause. Depuis quelques années, un chemin avait été déjà engagé et des avancées importantes ont été obtenues. Il y a eu la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, portée par mon collègue Aurélien Pradier, que je salue, et adoptée à l'unanimité, a créé un mécanisme de suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour crime contre l'autre parent. Il y a eu la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, a par exemple élargi les cas dans lesquels les parents peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale ou son exercice par une décision expresse du jugement pénal, au cas dans lesquels des parents ont été condamnés pour des délits sur d'autres parents. Quel lien peut demeurer entre un enfant et un père qui a commis le pire envers sa femme? C'est là toute la question. Veiller à la protection des enfants, à ceux qui n'ont pas leur mot à dire, car ils ne peuvent tout simplement pas les raconter. Et notre devoir collectif, c'est donc à nous de les aider en agissant. 400 000 enfants qui vivent dans un foyer dans lequel s'exercent des violences conjugales, 160 000 enfants qui subissent chaque année des violences sexuelles en France, dans 90% des cas, l'agresseur est un homme et que dans la moitié des cas, il est un membre de la famille. La proposition de loi que nous examinons renforce les dispositifs juridiques existants en suspendant de plein droit l'autorité parentale du parent poursuivi pour agression et en lui retirant de manière systématique en cas de condamnation. C'est nécessaire et nous lui apportons notre plein soutien. En première lecture, les députés et les sénateurs ont complété et enrichi ce texte en permettant notamment la suspension de plein droit dès les premières poursuites pour agression sexuelle incestueuse et crime commis contre l'enfant ou contre l'autre parent. L'article 378 du Code civil sera ainsi réécrit efficacement en ce sens. En effet, il n'est pas envisageable qu'en cas de condamnation pour un crime commis sur son enfant ou sur l'autre parent, un parent puisse conserver l'autorité parentale. En ce sens, l'objectif principal qui doit nous guider aujourd'hui est celle de la protection des victimes et de la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est pourquoi je voterai ce texte, car il replace l'enfant victime au cœur du dispositif judiciaire. Coordonner le civil et le pénal est une priorité pour la protection de l'enfant victime. C'est mon intime conviction. Le retrait de l'autorité parentale peut être nécessaire pour arrêter la reproduction de la violence familiale au sein des générations suivantes, mais il faut en même temps prévoir l'avenir de cet enfant et lui offrir une stabilité juridique et affective sur le long terme. Je vous remercie. Merci de m'avoir écouté.
Merci, merci, monsieur le député. Merci. Pour le groupe démocrate, madame Sandrine Josso. Merci, monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues. Comme le disait Nelson Mandela, nous devons à nos enfants, les citoyens les plus vulnérables de toute société, une vie à l'abri de la violence et de la peur. Or, malgré de nombreux textes, de nombreuses mesures, de multiples campagnes de sensibilisation pour protéger les enfants, les violences intrafamiliales sont toujours présentes. Un enfant est tué par l'un de ses parents tous les 5 jours dans notre pays. Ces maltraitances, ces infanticides en constante augmentation sont insoutenables. Entendons ces cris, ces plaintes, ces mots, ces souffrances, ces traumatismes tenus sous silence depuis des années. Les violences intrafamiliales sont un fléau dans notre société. Un fléau trop souvent tapis dans l'ombre qu'il est aujourd'hui impossible d'ignorer. Pour chacun de ces enfants, nous avons la nécessité, la responsabilité d'agir. Grâce à ce texte, nous apportons plus de sécurité dans la vie affective de l'enfant. Ainsi, je tiens à féliciter notre collègue Isabelle Santiago d'avoir su nous mobiliser de manière transpartisane face à la gravité de la situation. Je remercie également l'ensemble de mes collègues pour leur travail qui a permis l'amélioration de ce texte pour une meilleure protection de l'enfance. Nous démontrons ce soir, dans cet hémicycle, notre capacité à nous unir autour de ce sujet essentiel que sont les violences intrafamiliales. Ensemble, bâtissons un avenir où chaque enfant pourra bénéficier d'un foyer protecteur pour grandir. Cet avenir passe par ce texte, soyons-en fiers. Ce travail transpartisan mené à l'Assemblée nationale débouche sur un texte équilibré et nécessaire en tout point à la protection de l'enfant témoin et victime. Désormais, en cas d'agression sexuelle incestueuse ou de crime commis par un parent sur son enfant ou sur l'autre parent, nous pourrons affirmer que l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement pourront être suspendus, et cela dès le déclenchement de poursuites judiciaires. En adoptant cette loi, nous disons haut et fort que chaque enfant a le droit de grandir dans un environnement à l'abri de toute forme de violence. Alors, engageons-nous à briser le silence et à protéger les plus vulnérables. C'est une responsabilité que nous partageons en tant que législateurs, mais surtout en tant qu'êtres humains. J'espère que cette proposition de loi recueillera pour cette seconde lecture l'unanimité que mérite cette cause. Enfin, les mots de la Déclaration des droits de l'enfant de 1959 résonne aujourd'hui. Je cite, « L'intérêt supérieur de l'enfant doit être notre guide. Il doit être la considération déterminante de nos réflexions et de nos choix. » Le groupe démocrate votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, madame la députée. Je ne vois pas l'orateur suivant, donc la discussion générale est close. J'en appelle maintenant dans le texte de la Commission les articles de la proposition de loi sur lesquels les deux assemblées n'ont pu parvenir à un texte identique. Et nous sommes sur l'article 1er avec une série d'amendements. Le premier, numéro 3, c'est madame Yadan. Oui, je vous remercie, monsieur le président. Si vous me permettez, je vais défendre les deux amendements que j'ai déposés, puisqu'en fait,
l'exposé des motifs est le même. Ma voix, alors que ce soit très clair, et Madame la rapporteure le sait parfaitement, ma voix est totalement et très bienveillante, et je la félicite d'ailleurs pour cette proposition de loi. Elle est bienveillante, mais je tenais simplement par ma prise de parole à mettre en garde contre des dérives potentielles qui peuvent exister. Et la protection de l'enfant passe aussi, à mon sens, par la protection contre les instrumentalisations dont il peut faire l'objet, puisqu'il existe malheureusement, et j'en ai pu faire l'expérience à plusieurs reprises dans le cadre de mon activité d'avocat en droit de la famille, il existe des cas où les parents se servent de leurs enfants, un des deux parents se sert de son enfant comme instrument de vengeance par rapport à l'autre parent. Et mon propos est celui-ci. Si nous avons une situation où un des parents décide, pour des raisons qui lui sont propres, parce que il ne supporte pas l'idée que l'autre parent qu'il déteste puisse poursuivre des relations avec son enfant, il lui suffit, avec cet article premier, grâce à cet article premier, simplement de demander à ce que l'autre parent soit poursuivi et de déposer une plainte pour des faits, des malversations et des violences. Et à ce moment-là, le lien est coupé définitivement durant le temps de la procédure qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, mon propos est simplement de mettre en garde. Et c'est la raison pour laquelle, sur mon premier amendement, je propose que le mot « de plein droit » soit remplacé par « peut ». C'est une possibilité qui est offerte au juge, et donc de laisser la libre appréciation au juge sur ce point. Et le deuxième amendement, c'est de dire « suspension d'accord » du droit d'hébergement, mais pas du droit de visite. Laissons la possibilité, au moins dans ces cas-là, d'envisager un droit de visite dans un lieu neutre, dans un lieu médiatisé d'une association. Merci à vous. Madame la rapporteure, voulez-vous nous donner votre avis sur les deux amendements défendus, présentés par Madame Yadan, le 3 et le 4, s'il vous plaît? Oui, Madame la députée, donc, nous en avons d'ailleurs parlé ensemble. Sur ces deux amendements, l'avis sera défavorable. Donc, bien évidemment, nous avons eu cet échange. Je ne partage pas, vous avez le droit, bien évidemment, de le défendre. Je ne partage pas du tout ce point de vue qui est, au fond, sur tous ces sujets très minoritaires. Et je souhaiterais surtout vous rappeler que dans ce texte, le travail transpartisan a amené aussi des garde-fous, comme on dit, qui sont importants. Et cette suspension court jusqu'à la décision d'un juge. Et il y a tout à fait, donc, elle ne s'oppose pas évidemment à la présomption d'innocence, car nous prévoyons ce garde-fou. Et cette suspension court donc jusqu'à la décision d'un juge, qui pourra être saisi le juge aux affaires familiales, tel que saisi par le parent poursuivi, soit le juge d'instruction s'il prononce un non-lieu évidemment dans l'affaire, soit le juge pénal lorsqu'il rend sa décision au fond. Donc, avis défavorable sur un sujet que nous avons déjà partagé et échangé. Et vous savez que sur les violences conjugales et les violences faites aux enfants, ce que vous évoquez est extrêmement minoritaire. Merci. Sur les deux amendements, Madame la rapporteure, votre avis défavorable sur les deux amendements, le 3 et le 4. Oui, merci. Madame la ministre. Nous avons bien sûr une obligation d'établir un équilibre entre les principes de présomption d'innocence et évidemment les exigences de la protection de l'enfant. Aujourd'hui, nous ne sommes très clairement pas dans cet équilibre. Il nous fallait mettre en place un dispositif qui permettait certes d'agir rapidement, mais d'aller vers un juge tout aussi rapidement. Donc je suis défavorable aux deux amendements. Par ailleurs, la suppression, alors dans le premier amendement, la suppression que vous demandez est aussi, de fait dans la rédaction de votre amendement, une suspension qui n'est pas possible pour le parent poursuivi. Donc on a vraiment un mécanisme qui enlève tout de ce texte tout à fait essentiel. Je pense que le fait qu'intervienne rapidement un juge permettra de concilier les obligations de protection où nous ne sommes pas aujourd'hui à la maille. Trop d'enfants restent trop longtemps, compte tenu de la longueur des enquêtes, dans les mains, entre guillemets, et sous l'emprise de leurs parents. Je suis défavorable aux deux amendements. Merci, Madame la ministre. Madame Rouleau. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je vous invite à voter contre cet amendement pour une bonne raison, c'est qu'il vide complètement le texte de sa substance. Donc, si on veut aujourd'hui faire avancer le droit des enfants, eh bien, il faut évidemment ne pas voter cet amendement parce que cet amendement revient à l'état actuel du droit. C'est-à-dire que dans l'état actuel du droit, le juge peut tout à fait retirer l'autorité, l'exercice de l'autorité parentale ou le suspendre, mais il peut aussi ne pas le faire. Et en fait, c'est ce que Madame Yadan, qui est médiatrice, mais je le suis aussi, si on faisait droit à cet amendement, eh bien, ça reviendrait donc à ce que le juge ait encore une fois la faculté de le faire, la faculté de retirer ou pas l'exercice. Or, c'est précisément ce qu'on ne veut pas. En cas de crime, en cas d'inceste, franchement, les familles ne comprennent pas que ce ne soit pas automatique. Or, je rassure tout de suite ma consoeur. Je lui dis que les craintes de mise en scène, en fait, et de fraude. D'abord, comme vient de le rappeler Madame la rapporteure, ce sont des cas beaucoup moins importants que plutôt les enfants qui devraient être retirés et qui continuent à aller voir leur père violent, qui les traumatise. Et d'autre part, je la rassure, parce que soit dans le cas de la suspension pour l'article 1er, soit dans l'autre article, c'est en cas de poursuite. On ne poursuit pas quelqu'un sur rien. S'il n'y a rien, il n'y aura pas de poursuite. Et il n'y aura donc pas de suspension quasi automatique. En plus, elle est quasi automatique. Elle n'est pas automatique. C'est-à-dire que le juge pourra toujours, avec une motivation spéciale, écarter ce retrait ou cette suspension et dire voilà, moi dans ce cas, je laisse cet enfant à son père avec des droits de visite, etc. parce que j'estime que. Donc il n'y a aucun danger à ne pas voter cet amendement. Je vous invite à voter contre parce que sinon vous videz la loi de toute sa substance. Merci Madame la députée. Il n'y a pas de consoeur ni de confrère, il n'y a que des collègues. Sur le vote de l'amendement numéro 9, je suis saisi par le groupe du Rassemblement national d'une demande de scrutin public et sur le vote de l'article 2 ter par le groupe socialiste d'une demande de scrutin public. Monsieur Terlier. Oui, merci Monsieur le Président. On peut être collègue mais aussi confrère, c'est pas voilà, antinomique. Ça peut exister aussi également, ça permet de rappeler quelles étaient les anciennes professions des uns et des autres. Non. Vous m'autoriserez à pouvoir le faire dans la liberté qui est la mienne de m'exprimer à ce micro, Monsieur le Président. Simplement pour pouvoir allez-y, dire. Maître Terlier. Merci, mes chers collègues, Monsieur le Président. Simplement pour dire à ma collègue Yadan que je partage avec elle le constat qui a été le mien, aussi également de ce qu'on peut avoir parmi les parents, un des parents, la tentation d'instrumentaliser parfois un enfant. Mais je crois que, comme l'a dit justement Madame la Ministre, cette problématique-là, elle a été clairement identifiée. Il faut effectivement peser le respect, évidemment, de la présomption d'innocence, mais aussi également de la protection du droit de l'enfant. Et je voulais féliciter la rapporteure Santiago parce que je crois qu'on arrive à un équilibre dans ce texte. Et puis dire à ma collègue Yadan, pour m'opposer à son amendement, lui dire qu'en réalité, je crois que les garde-fous, ils sont bien présents. Ça a été rappelé par la collègue du Rassemblement national. Quand on a une autorité de poursuite, elle poursuit sur des indices graves et concordants que le juge est amené à appréhender avant de poursuivre, mais aussi également un critère qui a été rajouté, qui est celui de l'ITT de plus de 8 jours, c'est-à-dire qu'on va avoir une personne qui est victime, qui est présente des stigmates et qui de violence, des actes qui sont des actes concrets, appréciés par un juge dans le cadre de l'autorité de poursuite, et qu'à ce titre-là, à mon sens, les garanties sont remplies pour qu'on puisse aboutir à ce dispositif qui est le bienvenu de la suspension de l'autorité parentale. Merci, monsieur le député. Sur cet amendement numéro 3, on vote à main levée. Il a reçu un avis défavorable. Commission gouvernement qui est pour, contre. Il est rejeté. L'amendement numéro 9, madame Rouleau. Oui, merci, monsieur le président. Donc, je crois l'avoir dit tout à l'heure, en fait, mais je le répète pour ceux qui n'étaient pas présents. Ça n'a rien de vindicatif. Donc voilà, je cherchais en fait à élargir le texte aux violences faites de violences entraînant une ITT de plus de 8 jours sur enfant.
parce que je pense que de cantonner le texte à la, uniquement aux crimes et aux agressions sexuelles est insuffisant pour protéger les enfants. Je l'ai rappelé, la petite Lisa qui est morte de coups, en fait, aurait été mieux protégée si on avait suspendu les droits de visite et d'hébergement en cas, par exemple, de divorce. Donc, je souhaite, en fait, que cet article soit élargi à une autre infraction, parce qu'il faut savoir que des violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, ce sont déjà des violences graves. Et je crois que j'ai dit dans mon amendement violences volontaires. Donc il n'y a aucun risque, là encore une fois, à étendre aux violences volontaires, et ça me semble absolument nécessaire pour que ces enfants ne soient pas martyrisés sans que les adultes ne fassent rien. Merci Madame la députée. Madame la rapporteure. Alors, chers collègues, là aussi nous avons pu échanger autour de ces questions. Je vous demanderai en tout cas, c'est un avis défavorable, et bien parce que ce texte, c'est un équilibre autour du sujet que nous traitons, et c'est-à-dire on ne peut difficilement l'élargir. Par ailleurs, il est évident que la maltraitance faite des enfants, le texte ne traite pas de l'ensemble des sujets. On l'avait dit, il aborde certains sujets dans le cadre de nos travaux. Par contre, vous l'étendez à travers un ITT de 8 jours. L'ancienne vice-présidente à la protection de l'enfance, que j'ai été pendant de très longues années, peut vous le dire qu'aujourd'hui, les juges sur ces questions-là sont déjà saisis par des textes de loi assez nombreux qui existent. Et en matière de protection de l'enfance, il y a toujours à faire beaucoup mieux. Mais en tout cas, sur ces points-là, c'est déjà quasi dans le texte et fait dans les juridictions. Par contre, sur notre texte, qui est aussi un texte transpartisan sur lequel nous avons travaillé, il est important qu'on soit dans l'équilibre du texte, ce qui touche sur la partie des crimes et sur la partie donc de l'inceste, et qui aborde l'ITT de 8 jours concernant les violences intrafamiliales et l'enfant co-victime. Voilà, l'équilibre du texte, et celui-ci est important de rester, y compris parce qu'après on partira au Sénat pour essayer là aussi de convaincre tout le monde. Donc c'est un texte sur lequel nous souhaitons rester sur la base de celui-ci. Je vous propose donc défavorable. Merci Madame la Ministre. Madame la députée, deux enjeux avec cet amendement pour lequel je suis défavorable aussi. D'une part, un enjeu d'équilibre, on vient de le dire. On est sur un texte qui quand même comporte des enjeux extrêmement importants pour les parents, d'une part, et donc évidemment des retraits d'autorité parentale sur la base de certificats sur des violences qui peuvent être de nature parfois psychologique et pas toujours facile à déterminer. Les 8 jours d'ITT, ce n'est pas nécessairement un seuil très important. Donc effectivement, on a considéré dans ce texte qu'il fallait garder un équilibre. Je voulais aussi vous rassurer, madame, quand un enfant aujourd'hui est repéré avec 8 jours d'ITT. Pardonnez-moi. Quand un enfant aujourd'hui est repéré avec 8 jours d'ITT, la réalité, c'est qu'il existe des mécanismes déjà qui, en matière de provisoire, parce que quand il y a condamnation, la loi s'applique. C'est uniquement dans le temps de l'enquête. Quand aujourd'hui, on est sur un enfant qui a 8 jours d'ITT, les mécanismes de protection existent et sont faciles à mettre en œuvre. C'est du contrôle judiciaire avec l'absence de contact. Si, vraiment, madame, dans le cas dont vous parlez, en réalité, l'enquête n'avait pas démarré et donc les mesures provisoires pour protéger cet enfant n'avaient pas pu être mises en œuvre. En matière, quand on constate des coups, ce qui est plus facile, pardonnez-moi, hélas, que des agressions sexuelles, les dispositifs de protection, contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes, les ordonnances de placement provisoire dans des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance existent déjà et sont extrêmement rapidement mis en œuvre par les départements et surtout par le parquet. Évidemment, quand on arrive trop tard et qu'on n'a pas démarré l'enquête, c'est les drames qui arrivent, et ça, c'est d'autres mécanismes, madame. C'est le repérage des violences, évidemment, et le signalement des violences. Ce n'est pas au moment des investigations que nous avons des problèmes pour mettre en protection. C'est le dispositif d'avant. Le gouvernement est engagé pour former tous les professionnels. Une plateforme d'écoute sera mise en place très rapidement pour aussi accompagner les professionnels. C'est d'une autre nature. C'est le repérage des violences. Une fois que les violences sont repérées, nous avons tous les outils pour mettre en protection. Ce sont des décisions que les juges prennent régulièrement, les magistrats du parquet aussi, pour protéger les enfants. Merci Madame la Ministre. Sur le vote de l'article 1er, je suis saisi par le groupe du Rassemblement National d'une demande de scrutin public, et le scrutin public sur le 2 ter a été retiré.
Sur cet article 9, c'est un scrutin public. Je vous laisse revenir à vos pupitres. Il a reçu un avis défavorable, commission gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 92, exprimé 91, majorité 46 pour 23 contre 68, il n'est pas adopté. L'amendement numéro 4 a été présenté, les avis ont été donnés, il s'agissait d'un avis défavorable, commission gouvernement. Je vous propose de le passer aux voix à main levée. Qui est pour ? Le 4. Qui est contre ? Il est rejeté. Nous passons à l'article 1er, c'est un scrutin public, vous restez à vos pupitres. Et le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Ah, ça va fonctionner. Le scrutin est ouvert jusqu'à ce que ça fonctionne. C'est bon ? Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 93, exprimé 86, majorité 44 pour 86 contre 0, il est adopté. Les articles 2 à 2 terres ne faisant l'objet d'aucun amendement, je vais les mettre aux voix successivement. L'article 2 à main levée, qui est pour, contre, il est adopté. L'article 2 bis, qui est pour, contre, il est adopté. Le 2 terre A, qui est pour, contre, il est adopté. Je poursuis avec l'article 2 terre qui a des amendements. Le premier, c'est une série d'amendements identiques. Le premier est présenté par la rapporteure. Mais avant ceci, je vous indique sur le vote des amendements 2 identiques, c'est ça ? Oui. Eh bien, je suis saisi par le groupe du Rassemblement national d'une demande de scrutin public et sur l'article 2 quater, saisine par le même groupe. Les scrutins sont annoncés, Madame la rapporteure, sur l'amendement numéro 2. Oui, chers collègues, c'est un amendement rédactionnel. Merci, donc, Madame la Ministre. Favorable. Pardon, il y a le numéro 6, pardon. Je laisse M. Pouliat présenter le numéro 6. Monsieur le Président, nous sommes totalement en phase avec Madame la Rapporteure et donc nous alignons sur la rédaction. Merci. Pas de prise de parole, c'est un scrutin public sur ces amendements identiques. Tout le monde est à son pupitre. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 95, exprimé 94, majorité 48 pour 94 contre 0, il est adopté. L'article 2 terre, le scrutin public a été retiré, donc je vous propose de voter à main levée. Qui est pour ? Contre ? Il est adopté. Le texte de la commission, l'article 2 quater, c'est un scrutin public. Vous restez à vos pupitres. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 95, exprimé 94, majorité 48 pour 94 contre 0, il est adopté. Nous sommes sur l'article 3. Des amendements qui font l'objet de sous-amendements. Donc d'abord, l'amendement numéro 1, présenté par Madame la rapporteure. Oui, chers collègues, c'est un amendement qui est donc important, rédactionnel, mais surtout qui réécrit pour parfaire les coordinations initiées entre le code pénal et le code civil. Et c'est extrêmement important pour qu'ensuite, quand il sera adopté, je l'espère, définitivement, eh bien que ce soit évidemment de bon augure dans les deux codes. Merci, Madame la rapporteure. Le numéro 7, Monsieur Pouliat. Merci, Monsieur le Président. Nous nous sommes d'accord avec la rédaction aussi également de Madame la rapporteure, mais nous sommes totalement défavorables au sous-amendement. Merci, Monsieur le député. Le sous-amendement numéro 14, Monsieur Cinieri. Oui, merci, Monsieur le Président. J'associe mon collègue. Jean-Pierre Tête de la Loire, afin de protéger les enfants victimes, un parent auteur, co-auteur ou complice de crime ou d'inceste sur son enfant ne doit plus avoir l'autorité parentale sans exception. Tel est l'objet de ce sous-amendement. Si, M. Signery, vous nous présentez le 13 aussi, s'il vous plaît. Ouais, toujours pareil, avec Jean-Pierre Tête, qui s'associe à cet amendement, afin de protéger les frères et sœurs des enfants victimes. Le parent auteur, co-auteur ou complice de crime ou d'inceste sur l'un de ses enfants ne doit plus avoir l'autorité parentale sur aucun d'eux, sans exception. Tel est l'objet de ce sous-amendement. Merci, Madame la rapporteure. Sur l'amendement numéro 7 et les sous-amendements, s'il vous plaît.
Oui, sur l'amendement 14, chers collègues. Donc je voudrais rappeler, on l'avait déjà eu ce débat, mais je me permets là de préciser, y compris les décisions. Donc c'est un amendement pour lequel je dis défavorable. Pour autant, on a souvent beaucoup échangé autour de cette question. Je rappellerai que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le prononcé automatique d'une privation de l'autorité parentale en cas de condamnation pénale n'est pas conforme à l'article 8 de la Convention, dès lors que cette privation ne pouvait être écartée, notamment en fonction de l'appréciation de l'intérêt de l'enfant. Donc en fait, c'est pour des raisons de constitution que nous avons travaillé le légistique pour parfaire et aboutir à ce que nous souhaitions au niveau de ce texte, c'est-à-dire amener une décision quasi automatique, mais ne pas l'écrire sous cette forme pour que ce ne soit pas un texte qui soit voté et pas applicable et anticonstitutionnel. Donc le légistique a permis de trouver cette solution. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Donc je vous amène plutôt à un vote défavorable pour ma part, mais en tout cas, je reste bien évidemment ouverte au débat, mais il est sur le fond, ce sujet. Je réponds, Monsieur le Président, au 13 aussi, oui, sur l'autre amendement. Oui, amendement 13, oui. Donc là aussi, défavorable. Donc notre PPL, évidemment, elle a l'objectif d'impulser un changement profond dans les pratiques du juge pénal, puisqu'il aura l'obligation de se prononcer sur les modalités de l'autorité parentale dans certaines affaires, ce qu'il ne fait que rarement aujourd'hui. Donc, du coup, là, je vous dirais défavorable, puisque, du coup, dans votre proposition, ça ne concerne pas l'objet, en tout cas, du texte tel que nous le prévoyons. Merci, Madame la rapporteure. Avant de donner la parole à Madame la ministre, je vous informe que sur le vote de l'article 3, je suis saisi par le groupe du Rassemblement national des demandes de scrutin public et sur l'ensemble de la PPL, par le groupe Renaissance et le groupe socialiste, d'une demande de scrutin public. Madame la ministre, sur ces amendements et sous-amendements. Simplement vous dire, Monsieur le Président, que sur l'amendement précédent, j'ai été effectivement favorable à la rédaction. Vous ne m'avez pas donné la parole, c'est simplement pour vous ne m'oubliez pas sur les choses évidentes, mais quand même. Donc, simplement vous dire que je suis parfaitement favorable aux amendements pour bien mettre en cohérence. Pour bien mettre en cohérence le code civil et le code pénal. Les deux propositions portées par Madame la rapporteure et Monsieur Pouillat sont tout à fait indispensables pour qu'il y ait une grande clarté dans l'application des deux textes, code civil et code pénal. Je suis par contre effectivement défavorable aux deux sous-amendements. Je crois qu'il est extrêmement important de changer les pratiques, Madame la rapporteure l'a dit, donc que les magistrats systématiquement se posent la question de l'exercice de l'autorité parentale et se prononce sur les modalités de cet exercice avec des faits de nature telles qu'elles sont prévues dans le texte. Par contre, un texte où il y aurait des automatismes, à mon avis, pourrait d'ailleurs être fragile constitutionnellement, tant évidemment le lien entre les parents et les enfants est un lien important qui impose des décisions de justice pour le couper, même si nous sommes tous d'accord, dans certaines situations, couper est absolument indispensable. Merci. Merci, Madame la Ministre. Je ne vois pas de demande de prise de parole. Nous allons voter d'abord sur les sous-amendements qui ont reçu un avis défavorable, Commission-Gouvernement. Alors, sur le 14, qui est pour ? Contre ? Rejeté. Le 13, qui est pour ? Contre ? Rejeté. Et puis, nous avons les amendements qui ont reçu les amendements 1 et 7, qui ont reçu un avis favorable, si j'ai bien compris. Qui est pour ? Contre ? Ils sont adoptés et ils entraînent le fait que nous ne mettions pas aux voix l'article 3. Donc nous poursuivons avec l'article 3 bis que je mets tout de suite aux voix. C'est un amendement de rédaction globale. Donc le 3 bis qui est pour, contre, il est adopté. Le 4, c'est un amendement de rédaction globale, je viens de le dire. Le 4, qui est pour, contre, adopté. Et sur l'ensemble de la proposition de loi, avant de passer au vote, j'ai des explications de vote d'un certain nombre de collègues, d'orateurs par groupe politique. Le premier, la première des oratrices étant Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Madame la ministre.
Merci pour ce travail que vous avez fait. Je pense que l'explication de vote, elle est sans surprise. Nous sommes à la fois très fiers du travail qui a été effectué par notre collègue, mais ici vous dire que c'est peut-être le moment de nous rappeler aussi le travail d'Édouard Durand. Un énorme travail qui a été fait, et finalement on trouve ici une forme d'aboutissement qui, je pense, est utile et commande que le travail qu'il fait actuellement se poursuive. Voilà ce que je voulais dire sur l'équilibre du texte. Eh bien, c'était pas si facile que ça, parce qu'on a quand même le droit fil de la Constitution qui nous oblige à peser les termes et trouver l'équilibre, et cela a été admirablement bien fait. Je pense que c'est une grosse avancée, c'est un grand signal qui est envoyé. Nous avons beaucoup, beaucoup encore à faire en matière de justice, et en particulier sur les classements sans suite, Madame la Ministre, qui sont quand même extrêmement importants en pourcentage par rapport aux affaires qui nous préoccupent aujourd'hui. Je vous remercie. Donc le groupe socialiste, avec beaucoup de fierté et en remerciant aussi finalement l'adhésion autour du texte, votera évidemment pour ce texte. Merci Madame la députée. Pour le groupe Horizon, Madame Anne-Cécile Violent. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues. Alors évidemment, ce soir, c'est effectivement une grande avancée pour la protection de l'enfant que nous avons manifestement tous travaillé ensemble. Et je crois qu'il faut souligner le côté transpartisan, justement, de cette proposition de loi. Bravo, Madame la Rapporteure, de nous avoir permis ce moment de communion ensemble dans cet hémicycle. Ça arrive sur des sujets majeurs, absolument. Donc voilà, évidemment que le groupe Horizon et Apparenté votera ce texte, comme je disais tout à l'heure, avec une grande conviction. Et je crois que ce chantier qui s'occupe justement du judiciaire est extrêmement important, mais qu'il y en a un autre qu'il faudra aborder nécessairement avec beaucoup d'engagement aussi, ce sera celui du soin de ces enfants et de leurs familles. Merci beaucoup. Merci Madame la députée. Pour Renaissance, Éric Pouliat. Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, souligner le... Nous sommes très heureux d'avoir la réécriture de ce texte à l'Assemblée nationale tel que nous l'avions espéré et voulu en première lecture. Et souligner également la très grande qualité du travail que nous avons pu mener avec Madame la rapporteure et ainsi que Madame la secrétaire d'État sur le sujet. Madame la ministre et Madame la rapporteure ont été d'une grande qualité d'écoute et nous avons pu mener un travail tout à fait intéressant. Et souligner aussi que ce soir, nous sommes tous heureux de pouvoir nous féliciter d'avoir un groupe qui va faire avancer très clairement la justice et qui va faire très clairement avancer la protection de nos enfants. Nous sommes nombreux dans ce groupe à travailler sur le sujet. Et je pense notamment à notre collègue Terlier qui a longtemps travaillé sur la justice des mineurs. Et je pense aussi à beaucoup de nos collègues qui avancent sur le sujet et dire que nous pouvons être fiers tous ensemble d'avoir collaboré ensemble, collectivement, à faire avancer notre droit dans l'intérêt des enfants. Merci pour le groupe Rassemblement National, Madame Rouleau. Oui, alors nous serons évidemment très heureux de voter ce texte, même si nous regrettons en fait que l'Assemblée n'ait pas voté notre article. Je rappelle quand même à Madame la Ministre qui se satisfait de signalements faits, que je répète mon histoire, le petit Bastien, après 9 signalements, a été mis dans une machine à laver et en est mort. Donc oui, j'aurais bien voulu qu'il y ait des suspensions d'exercice de l'autorité parentale dès que, en fait, une institution avait connaissance de coup. Voilà, c'est pas grand chose que je demandais. Peut-être que je pourrais faire une autre proposition de loi. Donc, on aurait voulu que ça aille plus loin quand même, parce que des coups peuvent entraîner la mort, et ça, vous le savez. En tout cas, nous allons effectivement voter cette proposition de loi dont nous saluons quand même la belle avancée, un pas après l'autre. Et nous pouvons remercier Madame le rapporteur. Merci. Je n'ai pas d'autres demandes de prise de parole. Je mets aux voix la proposition de loi. C'est un scrutin public. Vous êtes à vos pupitres. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 111, exprimé 111, majorité 56 pour 111. L'Assemblée nationale a adopté. Je donne la parole à Madame la rapporteure. Écoutez, c'est tout d'abord vous remercier l'ensemble des groupes
de cette Assemblée. C'est un travail vraiment à la base que je porte de longue date, un engagement que je mets à l'écoute et vraiment en partage avec tout le monde pour faire avancer le droit des enfants. C'est évidemment l'intérêt supérieur, mais c'est surtout, à vrai dire, je n'ai pas besoin beaucoup de vous convaincre. Je sais qu'il y a une forte écoute et une avancée qui est plutôt collective. Remercier le cabinet du garde des Sceaux qui, évidemment, a beaucoup travaillé avec moi, la partie y compris légistique. Remercier Marine, l'administratrice de la commission des lois, qui m'a beaucoup aidée aussi. Poursuivre, qui est excellente, je le confirme. Et en tout cas, remercier l'ensemble des personnes qui ont travaillé avec moi, mes collaborateurs, bien évidemment. Évidemment, vous dire aussi combien je remercie mon groupe à la base, puisque ce texte a été initié tout d'abord, certes par moi-même, signé par mes collègues, mais aussi dans la niche en première présentation et voté à l'unanimité lors de la niche socialiste. Donc je mesure les pas qui avancent, les briques qui s'ajoutent. Je voudrais dire, et je souhaite vraiment, et c'est important pour moi, que collectivement on dise à nos amis et collègues sénateurs, et je crois qu'on a des connaissances dans tous les groupes qui sont au Sénat, on a besoin d'une lecture au Sénat rapide, parce que je crois que l'intérêt supérieur des enfants, c'est que ce texte soit adopté, et si c'est possible, sur un vote conforme. Et je crois qu'en tout cas, c'est ce qu'attendent les enfants, c'est l'urgence de ce texte, de mieux les accompagner. Donc je vous remercie tous, et encore bravo pour tout le travail qu'on a mené, mais collectivement et ensemble. Madame la secrétaire d'État, Madame la ministre, je vous remercie aussi de votre écoute sur de nombreux sujets que nous portons ensemble. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Évidemment, toujours très honorée d'être dans cet hémicycle avec l'adoption de textes transpartisans qui sont au service et de la protection de nos enfants. Voilà évidemment une pierre tout à fait indispensable dans le dispositif global qui est constitué de plein de petites pierres. Il y a le numérique, il y a la protection des violences, il y a évidemment les textes qui ont été pris par le garde des Sceaux et par vous dans le précédent quinquennat. Il y a le travail de la chancellerie, il y a le nouvel office du ministre de l'Intérieur, il y a notre engagement collectif, cette priorité placée par la Première ministre et par le Président de la République. C'est un combat que nous devons tous porter. Je vous remercie une nouvelle fois de le porter avec moi, parce que c'est mon combat personnel. Il faut évidemment que ces chiffres, que j'ai encore une fois répétés, connaissent une inflexion rapide, forte. Et l'engagement de l'Assemblée nationale, je suis sûre, doit pouvoir contribuer à toucher tous les adultes de ce pays. Nous ne devons plus accepter quoi que ce soit et nous devons être vigilants. Oui, Madame la députée, nous avons trop de signalements qui n'entraînent pas une réaction suffisamment importante des autorités, mais nous avons aujourd'hui aussi mis des moyens, le ministre de l'Intérieur a mis des moyens, le ministre de la Justice a mis des moyens qui peuvent nous laisser espérer que ces réponses s'accélèrent et que nous mettions en protection, grâce à votre texte, beaucoup d'enfants qui aujourd'hui avaient peur de se retrouver sous l'autorité de leurs parents, vont pouvoir trouver une certaine sérénité. Je dis bien une certaine parce que, évidemment, c'est un tout petit bout du chemin pour les remettre dans la reconstruction de leur vie d'enfant et de leur vie d'adulte. Encore un immense merci pour ce vote transpartisan. Merci beaucoup. Merci. Je suspends pour 3 minutes.
L'ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Je laisse tout de suite, en lui souhaitant la bienvenue, la parole au ministre de la Transformation et de la Fonction publique, M. Stanislas Guérini. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, chère Marie-Agnès Poussier-Winsbach, Mesdames et Messieurs les députés. La proposition de loi que vous examinez ce soir est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle concerne un métier essentiel. Vous connaissez mon engagement en faveur des secrétaires de mairie. J'en ai fait une de mes priorités pour plusieurs raisons. D'abord parce que je sais l'exigence de ce métier et leur rôle central dans la vie de nos communes rurales. Parce que je n'ai pas une rencontre avec des élus locaux sans que ce sujet prioritaire ne soit abordé. Et enfin, parce que les échanges que j'ai avec les secrétaires de mairie elles-mêmes lors de chacun de mes déplacements sont parmi les plus forts et me convainquent de la nécessité d'agir collectivement. Alors nous savons bien que nous surprenons parfois nos interlocuteurs parisiens quand on parle des secrétaires de mairie. Elles sont moins sur les chaînes d'infos en continu que dans la vie quotidienne de nos concitoyens. En réalité, elles sont même au carrefour de beaucoup d'enjeux de notre société aujourd'hui. D'abord parce qu'elles sont les bras droits des maires ruraux. Et nous savons tout l'engagement nécessaire. Nous savons l'engagement, notamment dans le plan France Ruralité, pour pouvoir venir en appui de ces maires des plus petites communes qui ne sont pas des petits maires, mais bien des maires qui tiennent et qui portent nos territoires. Nous devons leur donner les moyens de mener à bien leurs fonctions, dont ils sont de plus en plus nombreux à se détourner. Et c'est ainsi l'un des enjeux de ce métier de secrétaire de mairie, elle, qui constitue bien souvent les binômes, en réalité, dans nos mairies. Ensuite, parce qu'elles sont tout simplement garantes des services publics de proximité. Elles qui, dans la même journée, vont rédiger l'acte de naissance du petit dernier, vont préparer le permis de construire de la première maison, répondre aux questions sur les transports scolaires, gérer le cimetière où reposent les grands-parents, préparer le budget de la commune pour l'année suivante, organiser la réunion du conseil municipal du soir. Oui, mesdames et messieurs les députés, vous le savez parfaitement, les secrétaires de mairie sont le cœur battant de nos communes rurales. Et nous savons à quel point nous devons renforcer les services publics, ce que nous faisons, par exemple, avec les 2600 espaces France Service, mais j'ai coutume de le dire, nos 23 000 secrétaires de mairie, ce sont parfois des maisons France Service à elles toutes seules, et avant même les maisons France Service. Quand une secrétaire de mairie quitte aujourd'hui sa commune, c'est l'équivalent de fermer un point d'accès, un guichet de services publics. Alors l'importance de ce sujet, nous le savons aussi, c'est que la situation des secrétaires de mairie, c'est un concentré des défis que nous avons à relever pour la fonction publique et parfois des difficultés que nous connaissons dans la fonction publique. Défis démographiques d'abord. Vous le savez, un tiers de nos secrétaires de mairie partiront en retraite dans les 8 années qui sont devant nous. C'est un défi d'attractivité. C'est un métier sur lesquels les difficultés de recrutement sont encore plus intenses peut-être que sur d'autres métiers. 2000 secrétaires de mairie sont aujourd'hui manquantes sur nos territoires. C'est un défi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ici, à l'Assemblée nationale, où nous avons adopté collectivement une proposition de loi importante pour l'égalité salariale dans la fonction publique, bien je veux redire que agir pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est aussi revaloriser les filières les plus féminisées. Et vous avez remarqué que je dis « elle » depuis le début de mon discours, tout simplement parce qu'à 94%, les secrétaires de mairie sont des femmes. Et les réponses que nous devons apporter, que nous allons, j'en suis certain, apporter, valent au fond pour l'ensemble de la fonction publique. Ce sont des réponses pour valoriser les agents publics. Les secrétaires de mairie, pour plus de 2/3 d'entre elles, sont aujourd'hui de catégorie C, connaissent les effets d'écrasement des grilles,
et un régime indemnitaire trop peu mobilisé aujourd'hui. Ce sont des réponses que nous devons apporter pour fluidifier les parcours de carrière. Et les secrétaires de mairie, c'est une des fonctions à la fois dont les viviers de recrutement se tarissent, où la formation est trop peu développée et dont les promotions sont limitées par les quotas de promotion. Ce sont des réponses à apporter sur les conditions de travail. Toutes les secrétaires de mairie que vous voyez, que vous côtoyez dans vos circonscriptions, parlent de ces enjeux très concrets, des difficultés avec les outils, le temps de transport, parfois la confrontation à des situations d'agressivité. Ce sont tous les sujets, tous ces sujets auxquels nous devons apporter des réponses aujourd'hui. Et j'assume de dire qu'au fond, ce que nous allons faire pour les secrétaires de mairie, ce sont les prémices à l'échelle d'un métier, de ce que je souhaite porter à l'échelle de la fonction publique tout entière. Nous aurons certainement à en débattre dans les prochains mois dans cet hémicycle. C'est la raison pour laquelle ce que nous allons faire, ce que vous allez faire à travers cette proposition de loi, c'est, j'en suis sincèrement convaincu, déterminant. Je le dis en quelques mots, à travers les avancées que ce texte permet. D'abord, reconnaître, consacrer une logique métier. C'était déjà la proposition de Céline Brulin, sénatrice communiste au Sénat, qui a porté cette logique-là et qui montre à quel point il n'y a pas de contradiction entre la garantie du statut de la fonction publique auquel je suis absolument attaché et le cadre d'une entrée métier. Le statut et le métier, c'est compatible, bien évidemment. Ensuite, on revalorise cette fonction. On la reconnaît de façon symbolique, certes, mais les symboles, ça compte aussi dans la dénomination que vous allez choisir d'adopter pour les secrétaires de mairie, désormais secrétaires généraux de mairie. C'était le consensus du terrain. Je l'ai respecté, j'ai proposé qu'on puisse l'inscrire dans la loi. Et de façon plus importante encore, cette revalorisation, cet attachement, cette considération pour les métiers, ça consistera aussi à considérer que ce métier, ce n'est pas un métier de catégorie C, c'est un métier à minima de catégorie B, et c'est ce que nous allons consacrer ce soir. J'ai pris l'engagement, je l'ai fait au Sénat, de pouvoir reconnaître dans les règlements cette reconnaissance de catégorie à minima B. Vous m'avez demandé de l'inscrire par la loi et dans la loi, et donc j'ai fait le choix de lever les contraintes pour pouvoir lever les contraintes de recevabilité pour votre propre amendement et de pouvoir inscrire dans la loi que ce métier, celui de secrétaire général de mairie, c'est un métier à minima de catégorie B. Troisièmement, on fait sauter les verrous, et j'allais dire les plafonds de verre qui parfois reposent sur la tête de nos secrétaires de mairie. Combien de fois, mesdames et messieurs les députés, les élus locaux, dans vos circonscriptions, vous ont demandé d'assouplir les quotas de promotion ? Ces quotas qui empêchent parfois de promouvoir des agents méritants. Eh bien, c'est précisément ce que nous allons faire pour nos secrétaires de mairie à travers cette proposition de loi. Nous allons le faire à travers la formation, puisque si vous l'acceptez, nous inscrirons dans la loi l'idée d'avoir des formations qualifiantes qui permettent de se passer, de contourner purement et simplement pour les maires les quotas de promotion, ou nous le ferons par des voies d'accès qui consiste à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle. Nous le faisons trop peu dans la fonction publique. Nous nous donnons cette possibilité-là à travers cette proposition de loi. Je crois que c'est extrêmement important. Et j'en profite pour le dire à la représentation nationale, je ne compte pas m'arrêter là. Nous aurons des textes importants ce mercredi que nous examinerons en Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, où nous acterons l'assouplissement pour l'ensemble des métiers de la fonction publique, des quotas de promotion. On passera de la règle de 3 pour 1 à 2 pour 1. C'est peut-être un détail pour beaucoup, mais pour moi et pour les employeurs territoriaux, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire concrètement 50% de promotion supplémentaire en moyenne sur les territoires, et je crois que c'est évidemment important. Évidemment, cette reconnaissance, elle doit trouver une traduction dans la rémunération de nos secrétaires de mairie. Ça sera le cas en promouvant nos secrétaires de mairie, secrétaire général de mairie, de catégorie B à catégorie, de catégorie C à catégorie B. Mais j'ai fait la proposition, vous avez repris cette proposition, de pouvoir aller plus loin et de reconnaître la possibilité d'avoir un accélérateur
dans les modalités d'avancement qui soient spécifiques à l'exercice de ce métier, quel que soit son cadre d'emploi. Quand on est secrétaire de mairie, on pourra désormais reconnaître un avancement de carrière accéléré qui donnera une traduction indiciaire. Je crois que c'était l'attendu. Nous avons eu ce débat au Sénat. Vous l'avez adopté en commission. Ce sont des avancées extraordinairement importantes. En mentionnant cela, je veux reconnaître et saluer le travail qui a été fait pour faire évoluer ce texte de façon absolument transpartisane jusqu'à présent, et je souhaite que ça soit vraiment, encore une fois, ce soir, le cas. Je tiens à saluer le travail important qui a été mené au Sénat, qui, à la suite d'un rapport de la délégation aux collectivités territoriales, présidée par Françoise Gatel, a pu proposer une première PPL, puis une deuxième PPL portée par le groupe RDPI, qui a repris les dispositions et qui a permis d'aboutir à un texte unanime sur les bancs du Sénat. Je tiens à reconnaître et à saluer le travail de la commission des lois, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure. Je tiens à saluer, Madame la Rapporteure, le travail minutieux, collectif, que vous avez établi et effectué pour permettre d'adopter, là aussi, à l'unanimité, en commission, ce texte et d'en préciser certains points. Je pense à la distinction entre l'article qui crée un plan de reconnaissance d'acquis d'expérience et celui qui instaurait une formation qualifiante. Je pense que les choses sont maintenant très clairement établies dans le texte. C'est le fruit de votre travail. Je pense, je le mentionnais à l'instant, à la réintroduction des accélérateurs indiciaires de carrière. Ce sont des mesures importantes. Je veux le dire clairement, en m'exprimant devant vous, ce texte s'approche de sa rédaction, à mon sens, optimale. Je proposerai deux amendements complémentaires. J'ai mentionné la reconnaissance en catégorie B et la levée des contraintes d'irrecevabilité. Je mentionne aussi deux amendements de suppression et de cohérence sur l'article de terre et sur l'article 5, mais nous aurons là la discussion. Je veux enfin, mesdames et messieurs les députés, conclure avec humilité, dire que nous aurons marqué des étapes importantes dans la loi, mais que la loi n'épuisera pas le sujet de reconnaissance de nos secrétaires de mairie. Et je dis cela en pensant à toutes les secrétaires de mairie avec lesquelles j'ai pu échanger dans le Lot, à Gigouzac, il y a quelques jours, en Aveyron, avec la présidente de l'association des secrétaires de mairie du Gers, en Alsace, partout ailleurs. Toutes les solutions ne seront pas portées par la loi. Nous porterons, je l'espère, je souhaite ardemment aujourd'hui, une première loi avec ce qui relève du pouvoir du législateur, mais nous devrons poursuivre le travail, d'abord sur le plan réglementaire. Je prends ici des engagements formels d'aller vite et bien pour préciser les durées minimales d'ancienneté qui donneront droit au plan de requalification, le contenu précis de la formation qualifiante, le déroulé des accélérateurs de carrière, et au-delà du législatif, au-delà du réglementaire, nous aurons un travail sur les conditions de travail au quotidien de nos secrétaires de mairie, là aussi, c'est la mobilisation de l'ensemble des acteurs qui sera nécessaire, celle des maires, surtout quand ils sont plusieurs à employer la même secrétaire de mairie. C'est un sujet qui est très important, que vous abordez par certains amendements sur la validation des temps de travail, des congés, des formations, sur la mobilisation du régime indemnitaire. Je souhaite proposer un référentiel avec une série de critères pour pouvoir mieux encadrer le RIFSEP pour nos secrétaires de mairie. C'est des questions importantes et l'association des centres de gestion en matière d'animation du réseau des secrétaires de mairie, en matière de remplacement, nous devons consolider aussi ces réseaux-là. C'est le rôle du CNFPT sur les dimensions de formation. C'est le rôle de service de l'État aussi, de l'administration déconcentrée, pour donner plus de fluidité entre nos administrations et les réseaux de secrétaires de mairie. Au fond, il nous faut transformer l'essai pour poursuivre ce travail avec l'ensemble des parties prenantes. Alors, mesdames et messieurs les députés, en adoptant, je le souhaite, cette proposition de loi, nous enverrions un message très important au secrétaire de mairie, un message qui est attendu, qui est un message de considération et de dignité du travail dans la fonction publique. Je crois que beaucoup de secrétaires de mairie nous regardent ce soir, malgré l'heure tardive. Alors, vous me permettrez de leur adresser ce dernier mot pour leur dire merci. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons écouter Madame la Rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République pour 10 minutes. La parole est à Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, chers collègues.
La proposition de loi que nous examinons ce soir vise à offrir une meilleure reconnaissance au secrétaire de mairie qui exerce, dois-je le rappeler, une profession indispensable à l'administration d'un grand nombre de communes. Ces derniers, qui sont très souvent des femmes, ne sont pas les secrétaires des maires. En fonction des besoins et des communes, elles sont agences d'état civil, gestionnaires des écoles, des opérations funéraires, en charge du personnel, juristes, responsables des marchés, chargées du budget, rédacteurs des délibérations du conseil municipal et parfois, on doit le reconnaître, soutien psychologique des élus. Je pourrais continuer longuement, tant la liste de leurs missions est longue. Être secrétaire de mairie, c'est faire preuve de polyvalence, de technicité et avoir un sens aigu de l'adaptation face aux situations du quotidien. Facteur de difficulté supplémentaire, ces missions sont souvent exercées en grande autonomie, pour ne pas dire parfois dans une vraie solitude, notamment dans les communes rurales. Au total, 23 000 secrétaires de mairie exercent leurs fonctions dans plus de 30 000 communes de moins de 3 500 habitants. Les secrétaires de mairie peuvent être des agents appartenant aux trois catégories de la fonction publique territoriale, des adjoints administratifs territoriaux en catégorie C, des rédacteurs territoriaux en catégorie B ou des attachés territoriaux en catégorie A, voire des membres de l'ancien corps des secrétaires de mairie mis en extinction en 2001. La catégorie dépend souvent de la strate de la commune, associée au nombre d'habitants, et du niveau de responsabilité qui en découle, mais pas toujours. Et une partie d'entre eux travaille dans plusieurs communes à temps partiel. La profession fait face à deux grands défis que la proposition de loi souhaite relever. Tout d'abord, un manque de reconnaissance et de visibilité. Ainsi, les missions correspondent souvent à un niveau de catégorie B, alors que 60% des secrétaires de mairie appartiennent à la catégorie C. Leur évolution vers la catégorie B est l'un des principaux objectifs de cette proposition de loi. Ensuite, ce métier en tension fait face à une crise d'attractivité. Il manque déjà près de 2000 secrétaires de mairie en France et la pyramide des âges de la profession aura pour conséquence qu'un tiers des secrétaires de mairie partiront à la retraite d'ici 2030. La proposition de loi que nous examinons ce soir s'inscrit dans la continuité des travaux du Sénat. À l'initiative du président Patriat, à la suite de la mission d'information conduite par nos collègues Di Folco, Durin et Vial, et de la proposition de loi de Céline Brulin il y a plusieurs mois. Ses principales dispositions concernent le recrutement et la progression des secrétaires de mairie d'une part, leurs conditions de travail et de formation d'autre part. En outre, la proposition de loi inscrit cette fonction dans le Code général des collectivités territoriales, consacrant ainsi sa reconnaissance législative. Les deux premiers articles facilitent la progression de la catégorie C vers la catégorie B. L'article 1er instaure une voie de promotion exceptionnelle permettant aux agents de catégorie C exerçant déjà les fonctions de secrétaire de mairie d'être nommés dans un cadre d'emploi de catégorie B. Cette voie de promotion est dérogatoire dans la mesure où elle s'affranchit de la règle de droit commun qui impose une proportionnalité entre les recrutements intervenant au titre de la promotion interne et les autres recrutements. Les conditions d'ancienneté dans les missions de secrétaire de mairie et de grade seront à définir ensuite par décret. L'article 2 crée quant à lui une autre voie de promotion interne pérenne grâce à la formation qualifiante. Par ailleurs, afin de favoriser la promotion interne des secrétaires de mairie, toutes catégories confondues, l'article 2 ter prévoit que les listes d'aptitude comprennent une part minimum de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie fixées par décret. S'agissant de la formation des secrétaires de mairie, l'article 2 ter a prévoit la remise par le gouvernement d'un rapport sur la création d'une filière universitaire préparant au métier de secrétaire général de mairie. En effet, il n'existe pas de cursus unifié à l'heure actuelle. Enfin, par pragmatisme et parce que le recrutement reste difficile, l'article 4 relève de 1 000 à 2 000 habitants le seuil au-dessus duquel les communes peuvent recruter de plein droit des agents contractuels à temps plein pour leurs emplois de secrétaire de mairie. Ensuite, une fois en poste, les secrétaires de mairie doivent pouvoir bénéficier rapidement d'une formation en fonction des besoins des collectivités. Tel est l'objet de l'article 2 bis. Les dispositions de droit commun en la matière sont encore insuffisantes pour le plein exercice de ce métier exigeant.
Enfin, il est souhaitable que le secrétaire de mairie puisse s'échanger les bonnes pratiques et des conseils. Aussi, l'article 2 bis A confère-t-il au centre de gestion une compétence d'animation du réseau départemental des secrétaires généraux de mairie. En commission, mes chers collègues, nous avons conservé dans leur ensemble les apports du Sénat avec néanmoins quelques modifications. Concernant l'article 1er A, nous avons supprimé la distinction entre les secrétaires de mairie de catégorie C et les secrétaires généraux de mairie de catégorie B ou A, qui pouvaient être source de confusion et peu cohérentes avec l'objet de la loi. À cette occasion, nous nous sommes beaucoup interrogés sur la question des catégories. Devait-on relever... dont relevaient les secrétaires généraux de mairie en lien avec le nombre d'habitants de la commune. Fallait-il prévoir que les secrétaires de mairie ne puissent exercer que dans les communes de moins de 2000 au lieu de 3005 ? Cela ne me paraît pas souhaitable. Je suis en effet très attachée au fait de laisser aux maires le choix dont ils disposent actuellement entre 2000 et 3500 habitants. Ils peuvent en effet embaucher une secrétaire de mairie ou un DGS. À population égale, des communes peuvent se trouver dans des situations en effet très différentes, avec des besoins très différents. Communes touristiques avec pic saisonnier de population, communes dortoirs avec peu d'infrastructures et de services, le nombre d'habitants n'est pas toujours révélateur de l'importance des services apportés au public. Et c'est bien ce qui nous intéresse. Concernant le recrutement et la carrière, le dispositif de l'article 2 a été élargi à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C pour augmenter le nombre d'agents potentiels ayant vocation à devenir secrétaire de mairie. En matière d'évolution de carrière, la bonification d'ancienneté pour l'avancement d'échelon prévue à l'article 3 de notre PPL initial a été rétablie. Concernant les formations et conditions de travail, la commission a élargi l'objet du rapport prévu à l'article 2 ter A avant d'étudier la pertinence de la création d'une filière de formation au niveau national. Il devra aussi évaluer les formations qui existent déjà préparant à ce même métier. En améliorant la formation et l'accompagnement des secrétaires de mairie par leurs pairs, ces dispositions participent à l'amélioration de leurs conditions de travail et à l'attractivité de leur métier. J'en viens maintenant à l'une des problématiques centrales de cette profession. Au cours des auditions que nous avons menées collectivement, un consensus a émergé en faveur du recrutement des secrétaires de mairie en catégorie B minimum. Les règles de recevabilité financière nous ont empêchés d'agir en ce sens dès la commission. La rapporteure du texte au Sénat a été confrontée au même problème. Mais nous avons pu trouver un accord avec vous, Monsieur le Ministre, et je vous remercie infiniment de votre écoute tout au long de ces travaux. Je vous présenterai donc tout à l'heure un amendement à l'article 1er A prévoyant que les secrétaires de mairie ne pourront plus être nommés que parmi des agents de catégorie B ou A. Cette mesure est cohérente avec les dispositions de la PPL visant à permettre au maximum de secrétaires de mairie déjà en poste de catégorie C d'évoluer vers la catégorie B. Cette évolution est une avancée majeure pour les secrétaires de mairie. En effet, elle empêchera à l'avenir le recrutement de secrétaires de mairie en catégorie C qui ne correspond ni à leur niveau de responsabilité ni aux compétences requises. À terme, c'est l'ensemble de la fonction qui s'en trouvera revalorisée. De l'aveu de certaines personnes auditionnées et pour l'avoir constaté sur le terrain, les secrétaires de mairie sont parfois les premières à s'auto-censurer sur les questions de salaire et de primes, conscientes des marges de manœuvre financières parfois limitées des communes. Or, les principaux leviers existants ne dépendent pas de nous. Je pense au régime indemnitaire, tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, le RIFSEP, dont certaines collectivités ne sont pas encore emparées comme elles le pourraient, parce que souvent trop compliquées. Le recrutement de catégorie B minimum aura pour effet d'améliorer la situation des personnes concernées en termes de rémunération également. Pour finir, je souhaite remercier l'ensemble de mes collègues. Vous avez été nombreux qui se sont investis lors des auditions et les réflexions sur ce texte, ainsi que Madame l'administratrice, votre cabinet, Monsieur le Ministre, qui a toujours été disponible, et votre disponibilité personnelle ont été un vrai plus pour arriver à ce que je crois être ce soir devant vous un texte également abouti. Je vous invite donc, mes chers collègues, au cours des débats, à pouvoir nous exprimer, comme nous l'avons fait en commission, de façon sereine, et bien évidemment, à voter ce texte, si nous pouvons, à l'unanimité. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Nous passons à la discussion générale avec les intervenants par groupe politique. 5 minutes maximum par intervenant. La première est pour le groupe démocrate, Madame Desjonquières.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, si chacun peut apprécier le travail des secrétaires de mairie, les 14 ans que j'ai passés dans la fonction publique territoriale m'ont largement donné le temps d'appréhender ce métier, ô combien indispensable au bon fonctionnement de nos communes. Poste qui connaît aujourd'hui de véritables difficultés de recrutement. Rouage essentiel de la vie communale, les secrétaires de mairie accompagnent et assistent les maires. Et il est aujourd'hui indispensable de revaloriser leur statut. Je tiens sincèrement à saluer cette initiative législative qui s'inscrit pleinement dans un contexte de crise et d'une perte d'attractivité du métier. En effet, le métier de secrétaire de mairie est aujourd'hui en manque de visibilité et de reconnaissance. Ainsi, plus de 1900 postes sont vacants et à cela s'ajoute le départ à la retraite de presque un tiers des agents en poste d'ici 2030. Pour rappel, un petit tour d'horizon des missions des secrétaires de mairie, à savoir leur participation à la fixation du budget et le contrôle de son exécution, la responsabilité de la rédaction des documents administratifs, la préparation et la mise en forme des actes officiels. Nous pouvons aussi citer parmi les nombreuses missions qui leur incombent, l'élaboration et la mise en œuvre des décisions du conseil municipal, ou encore l'intégration et la priorisation des enjeux climatiques, environnementaux, économiques et sociaux dans les différents projets. Des missions extrêmement larges avec une forte responsabilité. Ils sont donc à la fois l'appui technique, administratif et juridique des élus, et plus particulièrement du maire, dans une relation de confiance et de respect. Ils mettent en œuvre sous les directives des élus les politiques de l'équipe municipale, ce qui requiert d'office de multiples compétences. Leur travail est indissociable au bon fonctionnement de nos communes. Ainsi, nous ne pouvons passer outre les difficultés d'attractivité de ce métier. Le cadre législatif et réglementaire de cette fonction est particulièrement flou et a subi de nombreux changements qui ont eu un impact direct sur cette attractivité. L'hétérogénéité des recrutements statutaires ne permet plus aujourd'hui une lisibilité de ces fonctions. Aujourd'hui, ainsi, nous comptons 14% d'attachés territoriaux, soit la catégorie A, exerçant des fonctions de secrétaire, 34% de rédacteurs, la catégorie B, et 53% d'adjoints administratifs, soit la catégorie C. Cette proposition de loi a pour objectif de revaloriser ce métier de secrétaire de mairie qui souffre, comme je l'ai rappelé, d'un manque de reconnaissance et d'attractivité. Nous devons donc aller encore plus loin afin de rendre ce texte véritablement opérant. Aller plus loin sur la question du statut. Indubitablement, pour assurer une pleine effectivité de cette proposition de loi, il est nécessaire que les secrétaires de mairie soient recrutés à minima en catégorie B. L'appellation même du métier est également appelée à évoluer. Se posent aussi les questions, et non des moindres, de la formation et de l'animation du réseau des secrétaires de mairie une fois en poste. S'il est impératif de mettre en place une formation spécifique et adéquate, qui ne se limite pas aux filières universitaires, mais cible les formations du supérieur, il est tout aussi impérieux de conforter les équilibres des initiatives mises en place sur les territoires, en particulier par les centres de gestion, pour l'animation du réseau de ces agents. De nombreuses choses restent encore à faire, mais je tiens sincèrement à remercier Monsieur le Ministre pour votre engagement aux côtés des fonctionnaires et votre écoute tout au long de la préparation de ce texte. Madame la rapporteure, je tiens également à vous saluer pour la qualité toujours très constructive de nos échanges. Et je tiens aussi à faire un clin d'œil au bel esprit d'équipe que nous avons eu pendant tout le travail sur ce texte avec la majorité présidentielle. Ainsi, et pour toutes les raisons que j'ai évoquées, le groupe démocrate et apparenté accompagnera toutes les démarches tendant à une revalorisation des secrétaires de mairie. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci, Madame la députée. Pour le groupe socialiste, Monsieur Delautrette. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, vous l'avez sûrement constaté comme moi dans vos circonscriptions, la pénurie de secrétaires de mairie inquiète de plus en plus nos élus locaux et nos concitoyens. Avec plus de 1900 postes vacants et le départ à la retraite d'ici 2030 du tiers des effectifs en poste, il était urgent que le Parlement s'empare du sujet pour répondre à la profonde crise de vocation qui frappe ce métier, pourtant indispensable au bon fonctionnement de nos services publics locaux. Leur titre est trompeur. Leur fonction ne se résume nullement à des travaux de secrétariat. Ils et surtout elles sont au contraire de formidables couteaux suisses, ça a été rappelé par Madame la rapporteure,
pour les petites communes faiblement dotées de personnel. Véritable bras droit des maires, elles ne comptent ni leurs heures, ni leurs efforts pour faire avancer les dossiers et épauler les élus dans leurs tâches, état civil, urbanisme, budget, dossier de demande de subvention, et la liste est bien plus longue que cela. Et bien souvent, elles font jouer le système D quand cela est nécessaire. En première ligne, face aux habitants, elles représentent aussi bien trop souvent le dernier accès aux services publics dans de nombreux territoires qui ont subi ces dernières années réduction des dépenses de personnel et fuite des services déconcentrés de l'État. Elles se substituent ainsi très souvent aux agents de l'État pour aider nos concitoyens dans leurs démarches au quotidien. Déclaration d'impôts, dossier de retraite, mais aussi toute autre chose, recherche de logement et bien plus de choses encore. Malgré leur rôle essentiel, la fonction de secrétaire de mairie, méconnue, n'est pas reconnue. L'ampleur des difficultés rencontrées est telle qu'il y a un an, le panorama de l'emploi territorial rangeait le métier au premier rang des professions de la fonction publique territoriale les plus en tension. Comme cela a été largement rappelé, la crise des vocations s'explique principalement par la faible attractivité de la profession. 61% des secrétaires de mairie relèvent de la catégorie C de la fonction publique territoriale. À cette faible reconnaissance s'ajoute un manque de formation initiale spécifique et un défaut d'opportunités de formation continue, sauf à priver la collectivité employeuse de la présence indispensable de celui ou celle qui est bien souvent l'unique agent. Au regard de l'importance de ce métier pour le fonctionnement de nos communes, notre groupe salue le travail transpartisan effectué au Sénat sur cette question et se réjouit des avancées qu'a connues le texte en commission de notre Assemblée. Nous nous félicitons également de l'amendement déposé par le gouvernement qui permet de corriger un effet de bord de l'article 1er A. En effet, en l'état actuel, cela risquait d'inciter bien plus encore le recrutement d'agents autres que de la catégorie A dans les communes de plus de 2000 habitants. Cependant, nous pensons qu'il aurait été souhaitable de limiter plus encore le recrutement de ces secrétaires généraux sur la seule catégorie A pour les communes de 2000 à 3500 habitants. Cette demande, émanant de l'AMF et des représentants syndicaux, se justifie au regard de la technicité attendue et des contraintes croissantes pesant sur ces communes face aux transitions de toute nature à l'œuvre aujourd'hui. Nous avions ainsi proposé un amendement dans ce sens qui a été jugé irrecevable au titre de l'article 40. Monsieur le ministre, nous espérons un engagement de votre part durant nos débats afin que cette proposition puisse être abordée au cours de la navette parlementaire. Nous proposons également de revenir sur la réécriture de l'article 2 bis A pour redonner une compétence obligatoire au centre de gestion sur l'animation du réseau des secrétaires de mairie. Notre rédaction permettra bien évidemment de ne pas faire obstacle aux autres initiatives issues des collectivités elles-mêmes, de leurs associations d'élus ou du CNFPT. Enfin, nous appelons de nos voeux le gouvernement à s'engager ici même sur la question du recrutement en catégorie B et sur la facilitation de la promotion en catégorie A des secrétaires de mairie. Là aussi, les contraintes de recevabilité financière nous ont empêchés d'aborder ces thématiques dans nos débats aujourd'hui. En effet, si ce texte est une avancée utile pour renforcer l'attractivité d'un métier essentiel au bon fonctionnement de nos services publics, il serait impératif d'aller plus loin pour remédier en profondeur à la crise de la fonction. Nous serons donc attentifs aux déclarations de M. le ministre sur ces questions. Mais pour conclure, le groupe socialiste et apparenté votera bien entendu en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, monsieur le député, pour le groupe Horizon. Madame Gérard. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, madame la vice-présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, chers collègues. Revaloriser le métier de secrétaire de mairie, voici la lourde tâche qui nous incombe aujourd'hui. Je parle de lourde tâche parce que les secrétaires de mairie jouent dans près de 85% des communes du territoire français un rôle capital.
Les secrétaires de mairie sont souvent le premier contact de nos concitoyens avec le service public. Or, parmi les 14 000 secrétaires de mairie que l'on compte aujourd'hui, 60% ont plus de 50 ans et d'ici 2030, c'est près d'un tiers des secrétaires de mairie aujourd'hui en poste qui partira à la retraite. Il est donc urgent d'agir. Agir parce que ce métier n'est pas valorisé à sa juste valeur, parce que les besoins des communes varient selon leur taille et leurs besoins, et parce que beaucoup de mairies peinent à recruter. Cette fonction n'a pas d'existence juridique dans le Code général des collectivités territoriales. Il est temps que les choses changent. Adoptée à l'unanimité en commission des lois, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui contient un certain nombre d'avancées que nous soutenons, comme consacrer dans la loi l'existence de cet emploi si essentiel, créer une voie de promotion interne dérogatoire afin de faciliter le passage de catégorie C à une catégorie B. Ou encore, compte tenu de la pénurie à venir, ouvrir la possibilité à recourir à des contractuels pour pourvoir ces postes. Par ailleurs, à l'initiative de la rapporteure Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, dont je veux ici saluer le travail et l'investissement sur cette proposition de loi, un secrétaire de mairie sera désormais appelé secrétaire général de mairie. Au-delà de l'aspect symbolique, ce changement de nom correspond surtout à la réalité des missions variées et techniques qui ont évolué au fil du temps, avec la numérisation des procédures dans l'administration et la complexification des normes. Ces propositions ont pu faire évoluer les débats. Je pense notamment à celle évoquée par le syndicat des directeurs généraux des collectivités territoriales. Je pense également à l'animation du réseau secrétaire général de mairie, qui est essentiel. Le partage de bonnes pratiques et la fluidité de l'information sont déterminants pour ces agents, parfois isolés et partagés entre différentes communes. Des initiatives d'animation de réseau se développent partout sur le territoire, grâce aux départements, aux associations d'élus ou aux centres de gestion. Pour ne pas limiter ces initiatives, nous avons déposé en commission un amendement visant à rendre facultatif cette compétence d'animation pour les centres de gestion. Mais dans certains départements, aucun acteur ne s'est emparé de l'animation de ce réseau. Nous proposerons donc de réaffirmer les responsabilités du centre de gestion en la matière afin que cette animation soit assurée partout sur le territoire. Si la proposition de loi contient à ce stade des dispositions nécessaires, nous pensons qu'il faut aller plus loin et imposer le recrutement en catégorie B des secrétaires de mairie. Il faut pousser les collectivités à recruter des femmes et des hommes à un niveau qui correspond davantage aux exigences et aux compétences requises pour cet emploi. Soyons clairs, la revalorisation de cette mission ne peut se faire sans évoquer la question de la revalorisation financière. C'est le sens de l'amendement que nous avons déposé conjointement avec la rapporteure, que je sais très attachée à cette disposition, et les groupes Renaissance et Démocrates. Nous remercions à ce titre le gouvernement d'avoir accompagné cette démarche. Vous l'aurez compris, c'est avec conviction que le groupe Horizon et Apparentés votera en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Chers collègues, avant de donner la parole à M. Rau pour le groupe écologiste, je vous invite à peut-être raccourcir un peu vos prises de parole. Si vous souhaitez qu'on termine la DG à minuit, ce qui est possible si tout le monde fait un petit effort. Et M. Rau, je suis sûr, va montrer l'exemple immédiatement. Je vais faire de mon mieux. Il a la parole. Merci, M. le Président. M. le Ministre, Mme la Présidente de la Commission des lois, Mme la Rapporteure, chers collègues, couteau suisse, c'est communément l'expression qui revient pour qualifier les secrétaires de mairie. 23 000 personnes en France sont d'abord la première et parfois l'unique interlocutrice de proximité pour les habitants, le premier contact pour l'accès aux droits et les démarches administratives. Mais pas seulement, car leurs missions, nous le savons, sont larges et diversifiées. Gestion du quotidien des commissions, préparation du conseil municipal, suivi du budget, traitement des demandes d'urbanisme, constitution des dossiers de subvention, encadrement des employés communaux, etc., etc. La complexité croissante de l'action publique leur demande toujours plus de compétences et de technicité sans qu'elles soient reconnues. Pourtant, sans elles, l'action de la commune est beaucoup moins efficace.
ou pas à la hauteur des attentes des administrés. Il n'est pas étonnant que ce métier soit si peu considéré, si peu valorisé, puisqu'exercé à 94% par des femmes. Cela n'en est pas pour autant moins sidérant. Enfin, la représentation nationale s'intéresse à ses premières agentes du service public. Ce texte est bienvenu et le bienvenu, il est nécessaire. Fruit d'un travail bicaméral, il tente d'apporter une considération plus forte au métier de secrétaire de mairie et de répondre en partie aux difficultés de recrutement rencontrées par des communes. Nous connaissons toutes et tous un ou une maire qui s'est retrouvé sur une période plus ou moins longue sans ses précieuses alliées et 1900 postes étaient ainsi vacants en mars dernier. Ces enjeux sont en fait les deux faces d'une même pièce. C'est par une amélioration des conditions de travail, une reconnaissance des compétences, des savoir-faire et de l'expertise, une structuration du déroulement de carrière et bien évidemment une augmentation des salaires que nous parviendrons à reconsidérer ce métier à la hauteur de ses responsabilités et attirer des personnes dans cette voie professionnelle. Parce que les mesures présentées ici apportent du positif pour les communes et leurs agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, le groupe écologiste NUPES est favorable à ce texte dans son ensemble. Néanmoins, la présence de certaines dispositions ou leur absence appellent à quelques remarques. Sur l'ouverture de la contractualisation aux communes de 1000 à 2000 habitants, nous comprenons l'intérêt d'augmenter le vivier potentiel de personnes pouvant exercer le métier de secrétaire de mairie. Néanmoins, c'est une réponse de court terme. Enchaîner des CDD, ce n'est pas la revalorisation. L'objectif que nous devons privilégier est celui de secrétaire de mairie fonctionnaire. Le contrat ne peut rester qu'un outil temporaire qui doit conduire à une entrée dans la fonction publique. Car quelle meilleure manière de revaloriser ce métier si ce n'est justement par son inscription et sa reconnaissance dans le cadre protecteur de la fonction publique, celui qui permet une évolution de carrière aussi bien dans les responsabilités que dans la rémunération. La fonction publique, j'y suis attaché, elle qui garantit l'emploi et assure des protections fortes, elle qui incarne nos principes républicains et permet l'égalité dans l'accès aux droits. Si aujourd'hui des mairies peinent à recruter, c'est d'abord le signe que le gouvernement pêche dans sa politique d'attractivité de la fonction publique. Les collectivités ne sont pas responsables d'une situation de crise des vocations qui se retrouve ailleurs dans le public. Refuser la révision des grilles indiciaires et l'augmentation nécessaire du point d'indice, ne pas améliorer les conditions de travail et délaisser parfois les services publics, en voilà les conséquences. Nous regrettons ensuite que la création d'un cadre d'emploi dédié au secrétaire général de mairie n'ait pas été le chemin emprunté par cette proposition de loi, contrairement au texte proposé par le groupe communiste au Sénat. Une telle disposition permettait pourtant d'y intégrer une politique salariale globale, que ce soit sur l'organisation de carrière ou la rémunération. Enfin, une autre grande lacune est l'absence de dispositions financières. Là encore, le texte examiné est moins disant que la proposition de loi du groupe communiste du Sénat qui prévoyait un fonds de soutien aux communes pour la revalorisation de leurs secrétaires de mairie. Une telle mesure favorise l'attractivité par un accompagnement de la montée en avancement et en rémunération. Ces observations, partagées par des élus locaux et des maires, doivent nous conduire à un travail parlementaire ultérieur pour compléter ces mesures par de nouvelles, fort de l'évaluation de l'application du présent texte et des rapports du gouvernement. Je vous remercie. Merci, monsieur le député, en particulier d'avoir abandonné 15 secondes de votre temps de parole, qui permet à Yannick Monet de venir prendre la parole un peu en avance pour le groupe GDR. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, madame la présidente, madame la rapporteure, cela a été dit et chacun en convient, les secrétaires de mairie sont de véritables piliers de la vie communale. Moi-même, député de l'Allier, élu dans une circonscription rurale de 126 communes, dont l'immense majorité ne compte pas plus de quelques centaines d'habitants, je mesure dans chacune de mes réunions avec les maires le lien essentiel, décisif, organique qui existe entre le maire et les secrétaires de mairie, la relation de confiance et le respect mutuel qui les lie. Et c'est encore plus vrai dans les communes rurales, où les secrétaires de mairie sont parfois le principal et souvent l'unique collaborateur du maire. Je devrais dire collaboratrice, puisque 94% des secrétaires de mairie sont des femmes. Pour nos concitoyens, elles sont souvent le premier contact avec l'administration et le service public. Conseillères techniques et de fait conseillères politiques,
Il leur arrive même d'être écrivain public en aidant les administrés dans leur démarche administrative. Leur rôle est donc important non seulement pour le bon fonctionnement de la collectivité, mais aussi pour la cohésion sociale et la lutte contre les exclusions. Et le recul de l'État en termes d'ingénierie et de services publics, et c'est encore plus vrai dans nos territoires ruraux, a renforcé leur rôle et leur place dans nos mairies, mais aussi a rendu leurs tâches plus complexes et a augmenté leurs responsabilités. Cela requiert des compétences de plus en plus fines, de plus en plus variées, financières d'abord, puisque les secrétaires de mairie assistent le maire dans la préparation du budget, tout en étant garant de l'exécution budgétaire. Rédactionnelles ensuite, avec la préparation des délibérations du conseil municipal, les arrêtés municipaux ou encore les actes d'état civil. À cela s'ajoute l'instruction des demandes d'urbanisme, la gestion funéraire avec toutes les démarches consécutives au décès, l'organisation des élections, le suivi des services et des agents techniques de la commune, le montage des dossiers de subvention ou d'enquête publique. Bref, quand le président de la République, il y a un an, a affirmé que les maires portent la République au quotidien et portent, face à toutes les crises, la capacité de notre pays à tenir debout, c'est aussi en creux un hommage aux secrétaires de mairie. Et pourtant, dans toutes mes rencontres avec les maires de ma circonscription, je ressens leur inquiétude. Le manque de reconnaissance du métier fait craindre une véritable pénurie de secrétaires de mairie. C'est le métier le plus en tension de la fonction publique territoriale et dans les petites collectivités, le recrutement reste difficile, pour ne pas dire sans résultat. Des emplois souvent à temps partiel et souvent précaires. 1900 postes ne sont pas pourvus et d'ici 2030, un tiers des secrétaires de mairie seront à la retraite. Alors il faut faire quelque chose. Aussi, nous partageons pleinement les objectifs de cette proposition de loi qui reprennent largement ceux de la proposition de loi de notre collègue Céline Brulin et du groupe communiste républicain et citoyen au Sénat, adoptée à l'unanimité le 6 avril dernier. D'ailleurs, monsieur le ministre, pour gagner du temps, vous auriez pu reprendre cette PPL. Nous soutenons l'instauration d'une formation initiale qualifiante et commune à l'ensemble des secrétaires de mairie. Nous soutenons la possibilité pour les communes de 1 000 à 2 000 habitants confrontés à des difficultés de recrutement de recruter à temps complet des contractuels pour leur emploi permanent de secrétaire de mairie. Nous soutenons également la création d'une voie de promotion interne pour des agents de catégorie C afin de leur permettre, par la reconnaissance des acquis de l'expérience, d'être nommés en catégorie B. Autant de mesures qui étaient présentes dans la proposition de loi présentée par les sénateurs communistes au Sénat. Mais nous souhaiterions aller plus loin et permettre aussi aux secrétaires de mairie qui appartiennent de longue date à la catégorie B de rejoindre la catégorie A. Nous sommes également favorables à un plan de déprécarisation de la profession pour intégrer les contractuels dans la fonction publique territoriale. Il faut aussi mesurer la charge financière que représente ce type d'emploi pour des petites communes. Il serait donc nécessaire de prévoir des mesures de compensation pour que cette requalification en catégorie A ou B réellement se concrétise sur le terrain. Cela pose la question des moyens des collectivités. Et monsieur le ministre, vous ne pouvez pas ignorer cette question décisive pour les secrétaires de mairie. Enfin, nous regrettons que le texte n'aborde pas aussi peu la question centrale de la revalorisation salariale. C'est pourtant une question incontournable pour l'attractivité du métier et nous pensons qu'il faudrait parachever la proposition de loi sur cet aspect. Monsieur le ministre, cette proposition de loi n'épuisera pas à elle seule la totalité des sujets liés au métier de secrétaire de mairie. Beaucoup d'entre eux sont d'ordre réglementaire et donc de la responsabilité du gouvernement. Mais elle illustre une prise de conscience et contient des avancées appréciables. Aussi, le groupe GDR se prononcera en faveur de son adoption. Je vous remercie. Merci, monsieur le député, pour le groupe Liotte, Michel Castellane. Bonsoir, Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, je le dis immédiatement, le groupe Liotte soutiendra ce texte et espère une entrée en vigueur rapide face aux alertes qui émanent tant du terrain que des associations d'élus. Cette proposition de loi est en effet très attendue, et notamment dans les petites communes, par les élus locaux et par les fonctionnaires territoriaux exerçant en zone rurale. Je veux rendre ici hommage à ces milliers de personnes dont le travail discret, quotidien, constitue la base même essentielle de notre démocratie communale. Le constat, nous le connaissons tous depuis longtemps, le métier de secrétaire de mairie souffre d'un manque d'attractivité chronique, alors même qu'il est indispensable à la vie de nos communes. Nous connaissons tous le besoin de reconnaissance de ces agents. Les syndicats et représentants des secrétaires de mairie nous l'ont bien des fois rappelé. Une reconnaissance qui doit se faire par la loi, bien sûr, mais pas sur un mode simplement symbolique. L'attractivité
et la fidélisation de ses agents territoriaux doit aussi passer par une revalorisation salariale ainsi qu'une rénovation de leur carrière. Nous voulons alerter sur la nécessité d'agir rapidement sans se contenter de petits pas, dans la mesure où déjà, ça a été dit, 1900 postes sont vacants et où 30% des secrétaires en poste devraient partir à la retraite d'ici 2030. Et il y a là un risque réel de voir la fracture territoriale s'aggraver, la mairie étant souvent le premier et parfois le seul service de proximité dans les zones rurales. Je tiens à saluer le travail effectué en commission, qui a déjà permis d'améliorer le texte. Le Sénat avait fait le choix de maintenir une distinction entre fonction de secrétaire de mairie pour les catégories C et celle de secrétaire général de mairie exercée par les catégories A et B. Cette distinction peu pertinente, qui allait à l'encontre de l'objectif de revalorisation de cette fonction. En commission, par des amendements de notre rapporteur et de notre groupe, nous avons pu consacrer dans la loi la seule appellation de secrétaire général de mairie. Un premier pas, certes symbolique, mais qui compte aux yeux des agents concernés. Dans le même sens, nous saluons également la création de voies de promotion interne dérogatoires jusqu'à fin 2028. Ces voies parallèles sont très attendues sur le terrain. Elles devraient permettre aux secrétaires de catégorie C d'accéder plus facilement et plus rapidement au poste de catégorie B. Notre groupe relaie les demandes des syndicats qui appellent à ne pas oublier les agents de catégorie B qui souhaiteraient accéder au grade B+, voire à la catégorie A plus rapidement. Je reviens donc au point le plus attendu et paradoxalement le plus délaissé de ce texte, le volet indemnitaire. En commission, il a seulement été possible de rétablir un avantage spécifique pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Nous saluons dès lors l'initiative du gouvernement qui rendra possible pour la séance des mesures indemnitaires en leur faveur. C'est ainsi que nous pourrons également proposer un amendement visant à une telle revalorisation. Notre groupe, l'IOT, se fait ainsi le relais des demandes des secrétaires de mairie et des collectivités pour un véritable coup de pouce budgétaire à leur égard et à l'égard des élus locaux, sans lequel cette proposition de loi n'aurait pas été complète. Comme en commission, donc, je l'ai dit, c'est tout naturellement que notre groupe votera pour cette PPL. Merci, monsieur le député. Merci, j'ai bien noté cet effort. Pour le groupe Renaissance, madame Miller. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la Rapporteure, chers collègues, observer les sondages qui relaient le niveau de confiance de nos concitoyens à l'endroit de nos institutions donne depuis maintenant de nombreuses années le vertige. Mais il existe une institution, un acteur de la démocratie qui résiste à cette défiance quasi généralisée, c'est la commune, et à sa tête le maire. Aux côtés du maire, des élus municipaux, il existe un personnage discret, mais non moins central et essentiel dans nos communes rurales, c'est le secrétaire de mairie. Ces secrétaires de mairie doivent, pour ainsi dire, et sous la responsabilité des élus, tout gérer. Elles gèrent les élections, l'état civil, l'urbanisme, la comptabilité, les réunions du conseil municipal, la communication, le cadastre, les concessions, le bulletin municipal, les fêtes et cérémonies avec ce que cela implique comme déclaration et plan de sécurité, la gestion RGPD, les archives, le scolaire. Mais c'est aussi elles qui gèrent lorsqu'un lampadaire tombe en panne, la dératisation, l'horloge de l'église, la téléphonie, l'INSEE et j'en passe. Dans la perspective de l'examen de cette proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, j'ai fait ce que bon nombre d'entre vous avaient sans doute pu faire. Je suis allée voir les secrétaires de mairie de ma circonscription. Qu'ai-je entendu ? Je vais tout d'abord souligner à quel point ces femmes, car en l'occurrence je n'ai vu que des femmes, étaient enthousiastes en parlant de leur métier. C'est suffisamment rare pour le souligner, elles aiment profondément ce qu'elles font. Mais si l'on met de côté cet enthousiasme, que nous disent-elles de la difficulté de leur mission ? Ce qu'elles soulignent en premier, c'est la complexité administrative dont elles sont le réceptacle. Le Conseil d'État, il y a maintenant quelques semaines, dans son étude sur le dernier kilomètre, nous le dit sans embâge. Le volume des normes n'a cessé de croître, contribuant à faire peser la complexité de l'action administrative sur l'usager et les acteurs de terrain en charge du dernier kilomètre. Les secrétaires de mairie sont, parmi d'autres, ces acteurs de terrain qui subissent la complexité administrative. Des services de l'administration que l'on a du mal à voir ou à avoir au téléphone, des procédures qui s'empilent et dont on peine à trouver parfois l'utilité lorsqu'on officie dans une commune de quelques habitants, un manque de confiance de l'État à l'égard des acteurs de terrain, voilà ce qui pollue le quotidien des secrétaires de mairie. Cela, il est bien évident qu'une proposition de loi ne pourra pas le régler. Parmi les nombreuses propositions préconisées par le Conseil d'État, je note toutefois pour ma part une phrase toute simple mais qui résume l'aspiration de tous dans la ruralité. Il faut des personnes pour parler aux personnes.
Le second sujet évoqué par les secrétaires de mairie, c'est la fonction publique territoriale et ses écueils. Une fonction publique que certaines des secrétaires de mairie que j'ai rencontrées ont même quittée dans le but d'obtenir une meilleure rémunération. Là encore, cette proposition de loi n'a pas cette vocation, mais nous attendons avec une grande impatience, Monsieur le Ministre, la réforme de la fonction publique, qu'il s'agisse de l'accès, des parcours et des rémunérations, pour mieux récompenser ceux qui travaillent dur pour faire fonctionner nos services publics. Passé ces deux sujets d'ampleur, les secrétaires de mairie m'ont parlé de rémunération, de formation et pour certaines de difficultés liées à leur isolement. Et de cela, il est bien évidemment question ce soir. Car que fait cette proposition de loi au juste ? Je crois qu'elle récompense le mérite des secrétaires de mairie d'une part et qu'elle donne des perspectives à ces derniers comme aux maires d'autre part. Le mérite, c'est ce qui va permettre aux agents en catégorie C d'accéder à la catégorie B en faisant valoir leur expérience ou par la voie d'une formation qualifiante. Très concrètement, c'est donc une progression indiciaire à la clé, donc de rémunération. Le mérite, c'est cet accélérateur de carrière qui permettra demain aux secrétaires de mairie le franchissement d'échelons plus rapidement, donc une rétribution supplémentaire comme un moyen de reconnaître la spécificité de cette mission. Les perspectives données, elles portent sur la formation d'entrée dans le métier si nécessaire et qui jusque-là fait défaut sur de nombreux territoires. Les perspectives, ce sont aussi des efforts sur une meilleure organisation et animation territoriale pour rompre avec le lourd sentiment de solitude de certains agents. Les perspectives, c'est cette demande de rapport au gouvernement sur le projet de filière propre à ce métier qu'il faut de toute urgence organiser, mais c'est aussi la possibilité pour les communes, les maires des communes de moins de 2000 habitants d'avoir recours à des agents contractuels à temps complet. Les perspectives, ce sont enfin les engagements du ministre qui pourra faire avancer la cause des secrétaires de mairie par la voie réglementaire et notamment par des engagements dans lesquels, d'une charte d'engagement dans laquelle sera évoqué autant de sujets essentiels que la mise en œuvre du RIFSEP, les relations avec les maisons France Service, le sujet de l'accessibilité effective des formations, les logiques de tutorat à développer de toute urgence ou encore le sujet des logiciels. Cette proposition nous paraît donc utile car elle concerne finalement potentiellement près de 29 000 maires sur les 35 000 communes de France. On ne peut pas se tourner sans cesse vers les maires et donc vers les secrétaires de mairie pour leur confier des responsabilités sans leur donner les moyens de les exercer. Et cette proposition, elle permet de poser des jalons. Elle doit en ce sens être absolument vue comme un point de départ et non d'arrivée. Et elle doit nous permettre, j'oserais même dire nous forcer, à nous interroger plus largement sur la place des petites communes, des maires et leur avenir. Nous voterons donc en faveur de cette proposition de loi tout en souhaitant vivement que se poursuive une véritable relation de confiance entre l'État et nos communes. Je vous remercie. Merci. Merci pour le groupe. Pour le groupe Rassemblement National, Madame Laureau. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Madame le rapporteur, Madame la vice-présidente de la Commission des lois, chers collègues, il est communément admis dans un régime d'aspiration démocratique que le fait majoritaire se doit, à défaut d'être systématiquement suivi, d'être entendu. Cet axiome ne se vérifie pas lorsqu'il s'agit de faire entendre la voix des territoires ruraux, qui représentaient pourtant en 2017, selon un nouveau calcul de l'INSEE, 88% de nos communes françaises. Nos villages sont les enfants pauvres des politiques publiques, des déshérités menacés, comme je le soulignais auprès de mes collègues commissaires aux lois, par leur agglomérat au sein d'entités sans âme et trop grandes pour eux. Ébranlés par les déserts médicaux, affectés par l'absence de services de proximité, nos terroirs ruraux sont les grands oubliés de nos politiques par trop centralisées, alors même que 33% de nos compatriotes y vivent. Aussi faut-il se réjouir lorsqu'une proposition de loi contribue à revaloriser les artisans d'une forme de cohésion sociale dans nos villages, je veux dire les secrétaires de mairie. Appui essentiel des maires, ce sont des métiers aux multiples fonctions. Ce doit être revalorisé, c'est la raison pour laquelle le groupe du Rassemblement national se portera en faveur d'un texte qu'il juge de bon sens. Car si rien n'est fait, c'est autant d'une profession valeureuse qu'un échelon essentiel entre le maire et ses administrés qui risque de disparaître. Avec plus de 1900 postes en attente d'être pourvus et une pyramide des âges particulièrement défavorable, le métier de secrétaire de mairie est en péril. En 2020, ce métier a été couronné première profession en tension de l'emploi territorial, alors qu'il n'occupait en 2018 que la quatrième place. Je regrette d'ailleurs que mon amendement au projet de loi de finances visant à créer un indicateur permettant de mesurer l'attractivité du poste de secrétaire de mairie ait été rejeté par le gouvernement. Sur le volet de la formation, nous saluons, comme nous l'avions fait en commission des lois, l'instauration d'une formation qualifiante, aussi nécessaire à ces professionnels qu'à la reconnaissance de leur métier.
Il convient cependant de préciser que cette formation sera dispensée par le Centre national de la fonction publique, dont l'une des missions est de prodiguer à l'ensemble des personnels territoriaux les formations statutaires obligatoires. C'est le sens de l'un de nos amendements déposés à l'article 2. Il est en revanche fâcheux que la pertinence de la création au niveau national d'une formation au métier soit mise en doute à travers le rapport consacré à ce point. Alors que l'article 2, terre A, dans sa rédaction issue du Sénat, centrait ce rapport sur les modalités de la création d'une filière universitaire préparant à cette profession, la nouvelle rédaction de cet article, tissée de précautions oratoires, semble remettre en question la légitimité même que nous tenons pour une nécessité. Ce métier déserté ne mérite-t-il pas d'être enseigné à l'échelle nationale, de manière à être mieux pourvu dans le futur? N'est-ce pas là la condition d'une revalorisation du métier? Dans cette perspective, le bénéfice d'un avantage spécifique pour le calcul de l'ancienneté nous paraît opportun, comme l'avait d'ailleurs souligné un amendement adopté de l'une de nos collègues du Rassemblement national. Ce léger avantage ne doit pas nous faire perdre de vue le grand absent de ce texte, une mesure singulière et convaincante quant à la rémunération indiciaire ou indemnitaire, mais qui pour autant ne doit pas peser sur les collectivités territoriales dont les moyens financiers sont bien trop restreints. Ne nous leurrons pas, la déshérence de ce métier est liée à un manque d'attractivité qui doit nécessairement passer par une revalorisation salariale et une plus grande reconnaissance de leurs tâches. Des tâches qui s'apparentent dans certains cas au poste de directeur général des services, comme le soulignait à juste titre mon collègue Johan Gillet au détour de l'un de ses amendements. Un autre oubli regrettable nous semble devoir être signalé, le cas où les secrétaires de mairie doivent quitter leur poste, faire face à un remplacement tardif ou lorsque le maire et son employé ne peuvent, par incompatibilité et du fait d'une rupture de confiance, travailler de concert. Rien ne semble prévu par ce texte pour faire face à de telles éventualités. Et c'est pourquoi notre amendement, après l'article 5, entend pallier ce dysfonctionnement. Chers collègues, nous mesurons toute l'opportunité d'un tel texte pour les secrétaires de mairie, pour nos maires comme pour leurs administrés. Et c'est soucieux de la bonne organisation de la cité, de la continuité d'un service public de proximité, d'un échelon subsidiaire efficace et sûr, que nous voterons en sa faveur. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe LFI, Monsieur Bex. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure. Merci. Monsieur le Ministre, je tiens à vous remercier d'avoir engagé la procédure accélérée sur ce texte, ô combien important, et qui sans aucun doute prouve votre volonté de revaloriser cette fonction. Lors des discussions au Sénat le 14 juin dernier, vous aviez insisté sur le fait que la revalorisation du métier de secrétaire de mairie était l'une de vos priorités et vous l'avez encore notifié ce soir dans l'hémicycle. Sur ce point, nous sommes d'accord. Mais permettez-moi de vous faire part de quelques-unes de mes observations. L'intérêt que vous avez montré pour ce texte ne saurait nous faire oublier le mépris du gouvernement pour nos fonctionnaires et nos collectivités territoriales. Je n'oublie pas le gel du point d'indice lors du premier mandat du président, fait unique dans notre histoire. Depuis l'année 2000, c'est une perte par rapport à l'inflation équivalente à 3 mois de salaire. Un mépris pour les Français et les Françaises qui font vivre nos institutions et notre société et parviennent difficilement à terminer les fins de mois. Vous parlez de priorité ? Mais vous n'avez pas retenu notre proposition d'indexation de la DGF sur l'inflation dans le PLF lors d'un énième 49.3. Quel est donc le signal que vous envoyez aux maires et à la fonction publique territoriale? Mépriser la fonction publique territoriale, c'est mépriser la République et l'ensemble de nos concitoyens. Monsieur le ministre, chers collègues, cessons d'invisibiliser les secrétaires de mairie qui sont, ça a été dit maintes fois, le maillon incontournable de la vie communale et les garants de la démocratie locale. Reconnaissons la complexité de leur travail, revalorisons leur statut, une revalorisation qui ne peut se faire sans changer l'intitulé de leur poste, augmentons leur salaire et dynamisons les grilles indiciaires pour permettre une prise en compte pour la retraite. Ces femmes, qui représentent 94% des secrétaires en poste, sont les seules collaboratrices du maire.
Elles exercent des missions de juristes, d'urbanistes, de comptables, d'informaticiennes et mettent en place des dispositifs de participation citoyenne. Elles sont très souvent le seul lien qui reste à nos concitoyens avec l'État, la nation, les services publics dans plus de 30 000 communes de moins de 3 500 habitants. Face à la pénurie des candidatures et à des départs en retraite plus que mérités, quelle revalorisation promettez-vous pour ces agents qui agissent dans tous les domaines d'intervention municipale? Où est la revalorisation? Où sont les réelles mesures lorsque vous asphyxiez les budgets des collectivités locales? Comme souvent avec vous, vous proposez de faire plus avec moins. L'agilité, l'austérité, la précarité pour la majorité, voilà votre modèle de société. Efficacité. En octobre dernier, vous vous félicitiez d'une augmentation de 70 euros brut mensuel. Mais monsieur le ministre, cette augmentation est si maigre face à l'inflation en cours. Les attachés d'administration communale sont connus, mais pas reconnus. Ayant moi-même été agent de catégorie C, je vous le dis, la rémunération de nos fonctionnaires est une honte. Le deuxième grade de la catégorie C, c'est une évolution de 10 points d'indice en 8 ans. 10 points d'indice, c'est 40 euros sur la fiche de paye et pour finir sa carrière à 1 800 euros brut. Ces augmentations permettront sans doute de combler les pleins d'essence nécessaires pour permettre de se déplacer d'une mairie à l'autre, conséquence d'un cumul bien souvent de plusieurs temps partiels. Inscrire dans le Code général des collectivités territoriales le fait d'élargir et d'encourager les emplois à temps partiel ou non complet, ou encore le recrutement de contractuels, est une nouvelle manière de précariser la fonction publique territoriale. J'entends les inquiétudes des maires concernant leurs finances asphyxiées. La réalité, c'est que les maires recrutent en catégorie C en raison de leurs ressources, alors que le niveau de compétence relève de la catégorie au-dessus. Permettez-moi, monsieur le député, j'ai été catégorie C. S'il vous plaît. Cette proposition semble être un signe positif. On termine dans le calme, sinon je vais lever avant les deux derniers intervenants. Terminez, monsieur Bex. Permettez-moi de décompter le temps, monsieur. Non, vous terminez, monsieur Bex. Il n'y a pas de décompte, c'est moi qui gère ça. Je termine, mais laissez-moi le temps de terminer. Non, vous aurez 5 minutes. Allez. Cette proposition. Non, je ne peux pas. Allez-y. Cette proposition semble être un signe positif envoyé aux communes et aux secrétaires de mairie. Pourtant, elle ne répond pas à son objectif initial, celui de favoriser l'attractivité de ce métier. Ça passe nécessairement par une formation solide, une réelle reconnaissance, une juste revalorisation des salaires et de l'ensemble des grilles indiciaires catégorie B et A, donc une augmentation des budgets des collectivités locales. Alors, cher collègue, monsieur le ministre, il nous reste deux intervenants. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on déborde de 10 minutes pour terminer la DG? En revanche, si le ministre veut répondre, il répondra demain. Monsieur Pradier pour LR. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés. Bon, chers collègues, si vous voulez pas qu'on allonge trop tard nos échanges, vous laissez l'intervenant s'exprimer. Notre démocratie est faite. Bon, madame la présidente Fiat, messieurs du groupe LR, vous laissez monsieur Pradier terminer pour qu'on se quitte bons amis. Allez-y monsieur Pradier. Allez, c'est monsieur Pradier qui s'exprime. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés. Notre démocratie est faite de ces femmes et de ces hommes dont nous oublions trop souvent l'existence et qui pourtant sont essentiels. Nos secrétaires de mairie font partie de ces rouages vitaux qui tiennent un pan entier de notre démocratie locale. Dans chaque collectivité et commune de France, jusqu'à la plus petite d'entre elles, nos secrétaires de mairie accueillent nos concitoyens, les conseillent, accompagnent le maire et les élus, bâtissent le budget, réalisent et sécurisent nombre d'actes d'état civil. Chaque semaine, elle digère le dur régime des normes et circulaires qui explosent. Que chacun mesure bien que sans l'exigence et la rigueur de nos secrétaires de mairie, la République et nos lois n'auraient pas la même réalité que l'on soit dans telle ou telle commune de France.
Je le redis, leur importance est capitale parce qu'elles assurent rien de moins que le maillage de la démocratie et donc de la République. Chaque jour un peu plus, dans le sillage des décentralisations successives, leur métier n'a plus rien à voir avec l'exécution mécanique de tâches administratives basiques. Elles conseillent, conçoivent et endossent une responsabilité de tout premier ordre. Nos secrétaires de mairie sont bien plus que des exécutantes. Elles assurent la continuité de notre démocratie locale. Le non-cumul de mandats et un certain culte de la déconnexion n'a pas encore tout effacé dans notre Assemblée. Il reste ici quelques députés ayant exercé le mandat de maire. Nous sommes quelques-uns à savoir que sans nos secrétaires de mairie, nous n'aurions pas pu agir comme nous l'avons fait au service de l'intérêt général. Lors de votre venue, monsieur le ministre, récente dans le Lot, vous avez constaté non seulement la responsabilité, la dignité, mais aussi la détermination des secrétaires de mairie. Vous avez sûrement, comme moi, retenu une chose. Une loi bavarde ou superficielle ne les trompera pas. Parce qu'elles sont des acteurs de terrain, elles se lassent très vite des mots vides et des déclarations sans effet réel. Elles ne veulent ni vraiment de gestes d'affection comme un nouveau nom pour habiller leur fonction, même celui de secrétaire général de mairie qui leur est proposé. Ce qu'elles souhaitent, vraiment, c'est notamment une évolution de leur cadre d'emploi. Elles ne veulent pas de l'hypothétique possibilité de voir leur grade et leur salaire peut-être évoluer. Elles ne veulent pas de longues années de perspective pour voir ces évolutions enfin intervenir. Non, elles souhaitent légitimement que leur situation change maintenant. L'État a profité de cette facilité consistant à confier au secrétaire de mairie le soin d'exécuter des missions dont il s'est lui-même déchargé au fil du temps. Notre démocratie a suffisamment compté sur ces femmes et ces hommes engagés pour ne leur promettre aujourd'hui que des petits pas. Il y a pire que l'inaction, monsieur le ministre. Il y a la déception. Cette idée que les réformes passent à côté de l'essentiel est un poison lent qui dévitalise toute l'action publique. Aucune désillusion n'est petite. Que le sujet soit régalien ou qu'il concerne l'avenir de nos secrétaires de mairie, le poison que déverse la désillusion est aussi grave. Chacun, dans nos fonctions et nos engagements, nous devons nous garder de faire espérer grand et d'agir petit. Avec 1919 postes à pourvoir actuellement et plus de 8000 d'ici 2030, le poste de secrétaire de mairie est le plus en tension de la fonction publique territoriale. Pour donner une nouvelle attractivité au métier, il faut traiter en profondeur sa formation initiale, faire évoluer son cadre d'emploi, porter une rémunération à la hauteur. Sans évolution et réelle promotion pour toutes les catégories, rien ne changera vraiment. Enfin, nous n'échapperons pas à la question des moyens alloués par l'État aux communes de France. Sans moyens nouveaux, il n'y a pas d'évolution possible et de sortie de la précarité. Sur chacun de ces sujets, la position des députés Les Républicains sera la même, une position déterminée. Il nous faut enrichir un texte que nous considérons comme bienvenu et que nous souhaitons voter. Il nous faut porter au-devant des Français cette profession, belle et essentielle. Et à nos secrétaires de mairie, je veux dire notre respect et notre reconnaissance. À nous les députés et à vous, monsieur le ministre, je veux dire que, en conclusion, qu'elles nous regardent et qu'elles attendent de nous beaucoup, parce que depuis des années, nous avons beaucoup attendu d'elle. Je vous remercie. Merci pour les non-inscrits. Nous terminons avec David Habib. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure. Je vais commencer mon propos comme monsieur Pradier l'a terminé, en exprimant mon respect pour, certes, les 23 000 secrétaires de mairie que compte notre pays, mais d'abord celle de ma circonscription, des 177 communes de ma circonscription. Je le fais avec gratitude, avec reconnaissance, avec respect et avec amitié, parce que des liens se sont tissés entre nous et je mesure chaque jour combien ces femmes, puisque majoritairement ce sont des femmes, ont un attachement infini pour le service public, pour le respect de la volonté des élus, une disponibilité sans limite pour nos administrés. Elles se sont
formées, elles ont gagné en compétences et technicité ces 10 dernières années, au-delà de toutes les professions de la fonction publique territoriale. Elles se sont adaptées à la montée de l'intercommunalité et, monsieur le ministre, aux nouvelles faiblesses de l'État. En termes de mission territoriale, ça a été dit par notre collègue communiste tout à l'heure, en matière d'ingénierie notamment, je pense notamment à ce ministère qui s'est davantage inventé les textes que de répondre au problème, celui de l'environnement. Pourtant, elles restent les parents pauvres de notre organisation administrative. Ainsi, votre proposition de loi, je le dis tout de suite, est un bon texte. Et je le voterai. Il y a des insuffisances, elles ont été notées par de nombreux orateurs, pour ne pas dire tous les orateurs. Mais j'ai moi-même déposé une proposition de loi sur ce sujet, ne sachant pas qu'il y allait avoir une initiative en la matière. J'ai travaillé avec un groupe de secrétaires de mairie. Et au moment où j'ai déposé ma proposition de loi, j'étais insatisfait parce que je mesurais moi-même que je n'atteignais pas l'objectif que je m'étais fixé ou qu'elle m'avait fixé. D'abord parce qu'on est dans ce sujet sur la ligne de crête entre le réglementaire et le législatif. Et qu'en permanence, il faut prendre acte que le Conseil constitutionnel nous demande de ne pas délibérer sur des questions qui relèvent de votre seule autorité, monsieur le ministre. C'est la question de la rémunération, mais pas uniquement, on en a parlé, la prise en charge des frais de déplacement, les autorisations d'absence pour formation, c'est du domaine du règlement, c'est pas du domaine de la loi. Et moi, j'aurais, y compris dans mon propre texte, souhaité l'aborder parce que ce sont des points essentiels à la vie quotidienne de ces secrétaires de mairie. Pour autant, en favorisant l'accès à la catégorie B, disons-le, vous faites un grand pas, vous nous proposez un grand pas. Ce grand pas permettra une revalorisation automatique, indiciaire, mais permettra aussi d'identifier la fonction et de mieux reconnaître l'importance de ces secrétaires de mairie dans notre organisation administrative, à la fois vis-à-vis des administrés, vis-à-vis des élus du conseil municipal, mais je le dis aussi, monsieur le ministre, vis-à-vis de l'État et de son organisation administrative, de sa propre fonction publique. Alors, monsieur le ministre, je vais juste évoquer quelques insuffisances malgré tout dans ce texte. Alors bien sûr, le renvoi au décret pour établir les conditions requises pour prétendre au reclassement en catégorie B. Madame la rapporteure l'a évoqué, on aurait pu avoir davantage de précisions. Les conditions d'ancienneté qui ne sont pas fixées à ce jour. La part dite minimale qui reste encore inconnue. Vous n'évoquez pas non plus, ça a été un débat entre vous et moi, comme ça, à votre arrivée au Palais Bourbon, vous n'évoquez pas non plus le seuil horaire minimal en deçà duquel une commune ne peut pas recruter un secrétaire de mairie. J'ai 177 communes, j'ai des communes qui ont quelques heures seulement de secrétaire de mairie. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, en 2023, il faut un seuil minimal. Alors, est-ce que, là, j'hésite, est-ce du domaine de la loi, est-ce du domaine du règlement? Je ne sais pas. En tout état de cause, il faut que l'on puisse avancer là-dessus. Alors, vous avez évoqué la libre... Il faut... Non, mais la libre administration des collectivités, mon cher collègue, ne doit pas nous obliger à accepter comme une fatalité la précarité d'un certain nombre de nos concitoyens. J'ai été maire pendant 19 ans, président d'une grosse intercommunalité pendant 25 ans, je suis député depuis 21 ans, je sais, fort de cette expérience, que nous avons aussi en la matière à faire des efforts. On ne peut pas se contenter, au nom de la libre expression des collectivités, d'accepter comme une fatalité la précarité d'un certain nombre de nos concitoyens. Voilà, mes chers collègues. Alors, moi, je me suis posé la question, pourquoi ne l'a pas-t-on fait plus tôt? Et pourquoi avons tant de difficultés à le faire? Il y a le domaine réglementaire et législatif que j'évoquais aussi. Il y a le fait qu'on s'adresse à un public féminin extrêmement isolé, peu syndiqué et qui souvent, au moment du recrutement, était dans une grande précarité. Et puis il y a un élément, je le dis en tant qu'ancien élu local, qu'un jour peut-être qu'on reviendra sur ces dispositions iniques sur le cumul des mandats, on a souvent opposé les progrès faits pour le bénéfice des secrétaires de mairie avec les contraintes que l'on fait peser aux collectivités locales. Ça doit être une dynamique gagnant-gagnant. On ne peut pas rester dans une sorte d'opposition systémique entre les uns et les autres. C'est notre intérêt à tous. Merci, monsieur le Président, que de progresser dans ce sens. Merci, monsieur le député. La discussion générale est close. Prochaine séance demain à 15h. Question au gouvernement. Lecture des conclusions des commissions mixtes paritaires sur le projet de loi pour le plein emploi et le projet de loi portant mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation concernant les produits de grande consommation. La séance est levée.